Nawaz Nourbeux. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Alors qu'élections générales peut approcher à grands pas, gouvernement finit à battre un code majeur deux semaines de cela avec la présentation du dernier budget du régime MSM au pouvoir. Nous carrément dans une logique met faux gain faux et ministre des Finances fin annonce une série de mesures sociales. De l'augmentation du revenu minimum garanti à l'augmentation de la pension de vieillesse en deux tranches, en passant par une nouvelle allocation pour mes enfants de 3 à 10 ans. Pour financer tout ça, ben mesure-là, gouvernement n'a ben moyen dans la caisse, surtout avec l'argent de la taxe. Mais Rochi Badin, dans une vidéo, fin démontrer, chiffre à l'appui, qui ben Mauricien pas fin gagne ce qu'ils ont mérité parce qu'ils ont fin paye beaucoup plus en termes de taxes. Et la situation reste toujours difficile parce qu'il prix ben denrées alimentaires et ben médicaments toujours bien chers. Nous fin invite le leader du Reform Party pour expliquer nous combien gouvernement fin collecter avec la population et combien l'hyper remettre dans nos poches. Nous pouvons aussi écouter sur une proposition, le Kouma pour contrôler l'inflation et faire prix baisser. Et enfin, nous pouvons aborder la situation politique. Rochi Badin, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Rochi Badin, on fait une vidéo quelques jours après la présentation du budget et beaucoup de monde est ça, au fin démontrer ben chiffre, ben table. Le combien leurs ans peut rentrer, combien leurs ans peut sortir. Mais moi, j'ai envie de dire que depuis tout le temps, me connais, moi, qui gouvernement, les collecter leurs ans à travers taxes et après ça, les dépenses à leurs ans-là et les remettre ça dans post-ben consommateur. Rien de nouveau jusqu'ici, mais qui fait. Ou peut dire que maintenant la situation est grave. Je voulais dire qui pas bon dans sa principe collecter leurs ans à travers la taxe et redépenser leurs ans. Alors, comment on peut dire, ou même, quand cela les sortir, les peut même ça. C'est-à-dire, quand un gouvernement libère le travail pour ce revenu, il y a une taxe, comment un moyen pour les capables de renflouer leurs ans dans la caisse gouvernement. Mais ici, nous dans, bien sûr, une nouvelle affaire qu'il a introduite par ce gouvernement-là dans ses derniers 5 ans-là, qui partie existait dans Maurice, qui appelle la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est une autre forme de taxe. Malgré qu'il y a où il y a une contribution sociale, et il y a où il est généralisé, mais au fait, c'est une taxe. Que tu peux taxer un employé et que tu es un employé. Et même un petit monde, hein, y compris tout le monde self-employed. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il. Un côté, il y a un casse en CSG, un côté, il y a un casse avec taxe indirecte, c'est-à-dire TVA, et ben, les autres formes de taxes, le ban produit, le ban service, y compris diesel, l'essence, qui est taxé. Et après, il y a un taxe, le compagnie, ou il y a un taxe, le ban individu. Tout ça, mais casse dans la caisse gouvernement. Mais au-delà de ça, il y a aussi ban contravention, il y a aussi ban excise duty. Tout ça, ban affaires-là, quand vous mettez ensemble, c'est même qui fait government revenue. Alors ça, c'est normal. Tous les gouvernements dans tous les pays, c'est façon qu'ils ont revenu pour se le faire, c'est qu'ils nous appellent ban dépenses publiques. Et ici, ce qu'ils nous ont trouvé, c'est que dans sa budget-là, dans directement le sa budget-là, et dernier budget de Padayachi, parce qu'il prend une élection générale bientôt, pas que du monde vient dire comment qu'il vient faire la bourse d'où, il augmente pension vieillesse, il donne internet gratuit pour ban jeunes de 18 à 25 ans, il donne ban maternity allowance, child allowance, school allowance, income allowance, etc. Mais première affaire qu'il nous a envie de faire, c'est montrer du monde justement, mais combien de nous et combien prend en où. Alors, coup de casse là sorti, moi depuis beaucoup l'année, je peux expliquer pour dire que quand vous venez de guetter qui de nous, ou pas besoin de 10 en termes qui cassent de nous, qui viennent mettre dans vos poste, ou besoin de premièrement que de casse la sortie, deuxièmement, qui va aller à casquine de nous là. Parce que mon cas, de nous, de ça, que ça le plateau, et du coup, de nous, 1000 roupies dans moi,
ou tu es dans allons dire ou tu es dans 10 000 là ou pas, c'est un de 9 000 roupies ou dans 11 000. Mm. 10 000 plus ça, une kilite de doula. Mais seulement si tout ce qui où tu peux acheter avant, tu peux coûter 9 000, mais acheter il coûte 12 000, mais malgré le fait qu'il y a un de 9 000 roupies, mais ou peut bizarre, acheter, elle trouve casse en dehors ou bidze, en dehors ça 11 000 qui est dans là pour aller payer ce qui. Il a une augmenté de 12 000. Mm-hmm. Ce qui veut dire que même quand de nous, on plus ou qu'on a une plus misère d'une certaine façon, ou on manque d'argent. Ouais. Et là, ce qui nous peut trouver avec ce gouvernement-là, avec ce dernier budget, bon, je dis, ou une des affaires principales qui nous fait une computation pour nous guetter, mais combien casse l'écouter. Oui, aussi, on a une table, donc au fin de nous, c'est une table, donc mon pensé pour montrer au premier tableau, oui. Nous demande la régie, donc montrer sa premier tableau, qui m'a pensé dans la vidéo, tu le montrais, mais nous remontrer les. Oui, les simplifier. Donc, ça, document A, ça, c'est où document, c'est où calcul qui au fin fait. Ouais. Ouais. Enfin, il n'est pas contesté, ça va en chiffre, hein. C'est dans le budget même qui tient ça va en chiffre, là. Mais si vous guettez, par exemple, pension vieillesse avec ban. C'est un basic retirement pension, mais aussi pour Bano, Flamand, Vive, tout cela. Il y a 310 000 bénéficiaires. Si vous prenez l'ILO, bien sûr, il est pour 13 mois, pour une année, dans ce 13e mois, tout là-dedans. Et il fait 1000 roupies en average, parce qu'il y a 500 roupies pour gagner à partir de juillet, et après 1500 roupies à partir de janvier 2025, bien, en average, il fait 1000 roupies. Vous multipliez il fait 4 milliards. Si vous avez equal chance allowance, ça, il fait à peu près 1,2 milliards. CSG. Income allowance fait 3,8 milliards, et que ce child allowance lui fait 200 millions, c'est-à-dire 0,2 milliards. School allowance fait 2 milliards. Après, bon, on prend tous les raisins, hein, maternité, ouais. Disable, internet, man repeaters. Il y a tout ça, mais mesure là, puis coûte à l'État 13 milliards. Là, exactement, y compris le gaz ménager qui ne baissait, qui fait 200 millions. Il coûte le gouvernement 200 millions pour ça, baisse là. Mondial internet là, il coûte à peu près 300 millions. Prime à l'emploi, et que tout ça, va faire tout fait 13 milliards. Ça veut dire qu'au gouvernement, il finit de nous tous sa bande d'affaires là. Le ministre des Finances, il présente ce budget, il de nous tous sa bande d'affaires là. C'est qu'il peut coûter à l'État, ou soit il peut coûter moins, ou tout le monde contribuable, c'est 13 000 millions de roupies. Ouais. Ça casse qui lui coûtait. Mais de l'autre côté, Astaire, nous avons dit que ça casse qui lui peut de nous, d'une certaine façon. Ouais. Pas tout du monde. Il y a du monde qui est dans un fort, il y a du monde qui servit à terre, il y a du monde qui servit gaz ménagé, il y a du monde qui retraité. Mais quand on prend tout ensemble, il y a beaucoup de 13 000 millions de roupies. Mais la question maintenant, c'est ça casse la côte sortie, ça. Ouais. 13 millions là pour de nous, ça. Côte les sorties. Les là, dans le guetté, premièrement, la mocassie en deux, hein, parce que N, c'est tout bonnes affaires qui sont financées par ce qu'on appelle le CSG. Ouais. Nous trouvons, quand il prend casse CSG, combien casse CSG il peut prendre dans l'année qui bouvit. Document D, la régie, montrez-nous ça à l'écran. Alors, ça c'est dans le budget même, hein. Appendix A, revenu, table A3, revenue from social contribution. Là où vous trouvez CSG, combien casse il peut prendre ou Aster. Premièrement, vous trouvez CSG contribution. Public Sector Employees, ça c'est le gouvernement même qui payait, hein. Il est rentré dans le PESLIP, après il est sorti dans le même PESLIP là. C'est-à-dire le gouvernement qui peut payer ça, il fait 1 milliard. Deuxième, où vous trouvez CSG Contribution Private Sector Employees. Ça veut dire, ça c'est un employé du secteur privé, par exemple, ou même Nawaz, 3 milliards roupies, qui ne peut pas avoir d'employé secteur privé. CSG Contribution Public Sector Employers, ça, c'est 2 milliards. Ça veut dire ou employeur, Radio Plus, par exemple, Nawaz, pour PICSG, pour ça, 2 milliards. Les là, oui, non, CSG, contribution, man self-employed, 150 roupies, fait 220 millions, pardon. Quand on ajoute tout, un dans l'autre, il vous fait à peu près 13 milliards. Ce que vous pouvez trouver là, c'est qu'au fait, 10 ex CSG, ça nous premier constat. 10 ex CSG, contribution, qu'est-ce qu'il peut prendre en haut. Ça même 13 millions de tout ça. Voilà. 13 millions de roupies CSG qu'il en prend, il suffit d'une certaine manière pour lui payer tout ce qu'il en de nous, ça veut dire ce pension vieillesse, ce égalité des chances à la WEN, ce CSG income à la WEN, ce child à la WEN, school à la WEN, maternité à la WEN, pour man disable, les affaires SOM, les affaires internet gratuit, frais SI, TSI pour man repeaters, prime à l'emploi et baisse dans gaz ménager 13 millions. Et CSG, il prend 13 milliards. Ouais. Ça veut dire, d'une certaine façon de voir les choses,
10 ans, ça, quand tu te casses CSG en plus, je dis bien en plus, hein, parce que ça, c'est pas... Le Pécos pour l'exercice Pécos, financier ouais, 2024-2025. Absolument. Ouais. Alors, pour les pour prendre à 13 millions là, ou l'année prochaine, les bouts de nous, ça va nous faire là. Ça veut dire 13 millions. Alors, et nous pourrions ça après la pub, l'ont collecté encore beaucoup l'argent à travers ben, les autres taxes, comme à TVA par exemple. Donc, nous pourrions ça après la pause pub. Donc, avant la pub, le point de Rochibadin, c'est que tout ça va ben, une mesure nouveau qu'il a annoncé dans sa budget là. L'IP coûte à peu près 13 milliards et le CSG, seulement le item CSG, l'IP prélève 13 milliards. Donc, 10 CSG suffit pour financer sa même mesure qu'il a annoncée dans le dernier budget. Et là, après la pub, Rochibadin pour montrer nous ben, les autres tableaux qui démontraient combien de milliards et beaucoup de milliards en plus que le gouvernement fin collecter à travers ben, les autres taxes. Nous reprenons après la pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, la pub. At Juris Tax, we are here to help your company grow. With nearly two decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBBs, as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. 1, 2, 3, 4, c'est parti! Avec KitKat Scratch & Win, t'es à 4 doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de deux Nestlé KitKat Four Finger Milk, White to Dark, reçois une carte à gratter! Gratte ta carte, avec tes 4 doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à 4 et participe au Scratch & Win de KitKat! Conditions applicables, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life!
de l'info, la suite. Avec nous le leader du Reform Party, Roshi Badin, qui pédécotique le budget 2024-2025. Avant la pub, Roshi Badin finit de démontrer qui manière seul item CSG suffit pour financer une mesure populaire qui finit annoncée dans le budget. Mais Roshi Badin, il a aussi, peut-être Talen ou Binola, il a aussi même les autres mesures, quoi, en faveur ben planter, ben PCR. Il y a aussi même les autres mesures, par exemple, distribution de serviettes hygiéniques, et aussi dans les logements sociaux. Ça, le populisme, depuis Special Fund. Peut-être aller nous venir au lunch. Il n'est pas sorti ni dans CSG, ni dans taxes, ni dans l'autre Special Fund. Qui li, ouais. Ça, l'autre histoire nous raconte d'aller. Mais nous payons beaucoup taxes, l'eau, TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, qui est de 15%. Alors là, on a pu montrer un tableau qui démontrait combien d'argent l'État fin collecter ZIS à travers TVA. Absolument. Donc, nous montrer le document C à l'écran pour nous guetter ça ensemble. Alors, document C, c'est, encore une fois, c'est appendix dans le budget. Ce tableau-là, ce n'est pas mon tableau, hein, c'est le tableau du ministre des Finances, du gouvernement. Appendix A, revenu. Et vous trouvez table A2, il mettait revenue from taxes. Quand vous avez dernière ligne en bas, ouais. Vous trouvez value added tax, ça c'est la TVA. Quand vous êtes dans la troisième colonne là, 2023-24, ce revised estimate, ça veut dire c'est actuellement ce qui est collecté, ouais. 56 milliards 130 millions de roupies. Zislo TVA. Là, mon cas, ça même y a de l'information qui beaucoup de monde ne connaît pas, qui est gouvernement est collecté 56 millions de roupies de TVA qui tout, du monde dans Maurice, il payait tout business, tout individu, tout consommateur. Mm-hmm. Et là, l'IPDIA, c'est extraordinaire, l'année prochaine, 2024-25, et fait du monde gagne choc, l'IPDIA, comme ça, l'IPOVIN, 65,6 milliards. C'est-à-dire 65 000 millions de roupies. Mais déjà, vous pouvez trouver pendant 9,5 milliards en plus. Je dis bien en plus, ouais, les consommateurs, vous pouvez payer l'année prochaine. TVA pas augmenter, il pourrait être 15% l'année prochaine, mais seulement il pourrait collecter 9 milliards en plus. 9,5 milliards, oui. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire qui probablement prix pour continuer à augmenter. Absolument. Quand prix pour augmenter, il pourrait collecter plus l'argent en termes de TVA, c'est ça? Exactement. Il en existe rate TVA sur tout, il reste 15%. Ouais. Il y a des affaires qui ne peuvent pas arriver. C'est qu'ils pensent que le prix peut monter, ben l'article vient plus cher. Quand l'article vient plus cher, ben là, le gouvernement gagne 15% de sa prix qui plus cher là. Mm. Alors, prenez l'exemple bien simple. Alors, des affaires, tu vends 100 roupies et où tu peux gagner 15 roupies TVA là, 15%. Les affaires, là, viennent descendre, roupies, prix de monter. Mm-hmm. À cause de l'or apprécié, roupies dépréciées, réserves, viennent depleted, etc. Mais les 200 roupies, c'était 30 roupies, TVA, 15% de 200. Qui veut dire que le gouvernement, tu peux collecter 15 roupies, compris la Tiba, le gouvernement collecter 30 roupies, compris la N-doublée. Ouais. Mais il y a plus de revenus en forme de TVA. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, c'est peut-être que si la base des banlots qui peuvent taxer peut augmenter, fait, comment dire, allons dire, par exemple, ça téléphone, là, je connais dans TVA, hein, mais allons dire, ça produit la partie dans TVA, aujourd'hui, vous faites living, comme on appelle, VATable. Ouais. Bastel, vous collectez plus de taxes parce qu'on ajoute un nouveau produit qui partit taxable avant. Mm-hmm. C'est juste des façons, soit ou base taxation, soit ou base manlotique qui vous paye taxer une montée, ou soit prendre une plus et à cause de ça, vous pouvez collecter plus de TVA. Mais moi, je pense définitivement, c'est le premier cas là. Ouais. Parce que quand on regarde la liste qui est là, qui vous ajoute TVA, là, le produit, pas beaucoup. Donc, prix pour continuer à augmenter. Prix pour continuer à augmenter, Nawaz, et c'est ça, mon corps, qui tout Mauricien bien comprend, qui quand un gouvernement peut venir où mon tiers 56 milliards roupies TVA, ou tout consommateur, ou tout isazé de la route, ou tout management qui peut payer taxes indirectes dans ce pays-là. Et vous connaissez, TVA, il y a une taxe injuste d'une certaine manière, parce que du monde là capable, ce income bas, taxé pareil, comment c'est qu'il y a ce income haute, qui, comment dire, moi, écoute, nous parle dans la boutique. Ou bien du monde qui, allons dire, peut gagner 1 million par mois, ou bien du monde qui gagne 20 000 roupies par mois, il y a les stènes affaires, qui est dans TVA, mais il paye pareil, tous les deux payent pareil. Ouais. Dans sa façon-là, il est injuste. Mais bon, c'est indirect taxation, et c'est dans sa manière-là qu'il fonctionne, TVA. Mais gouvernement connaît qu'il peut prendre
56 milliards ou pire, oh, tout ça du monde là dans sa pays là. Vous connaissez, quand prix, nous causons un peu, comment dire, pour du monde comprend vrai même qui va arriver. Hein? Quand prix monte, ça veut dire que du monde peut faire face à une situation difficile. Et pour la majeure partie des personnes à Maurice, ils ne sont pas capables, comment nous dire, de joindre des bouts facilement parce que prix peut monter dans, enfin, pour une bonne période de temps. Et aussi, quand prix là, une montée, une beauté, comment dire, l'in spike up un coup, hein, l'in monte un coup brit, et finalement, il y a un homme du monde qui n'est pas capable, comment dire, de faire face à montrer des prix là. Bien, le gouvernement, normalement, d'un caparé qui l'y besoin faire. L'y besoin trouve un cimé fiscal pour l'y capable amortiser, diminuer, ça l'impact là, l'eau, sa population là. Ouais. Et l'y soulage population là. Mais le gouvernement peut dire, il peut donner plus casse, il peut augmenter le salaire, il peut donner une compensation salariale. Mais ça même qui tout le temps m'a expliqué là, c'est qui quand vous pouvez donner plus casse, vous pouvez donner 1000 roupies, vous pouvez donner 2000 roupies, etc. Man, income allowance, comment nous fait trouver là? Un, premièrement, comment nous fait trouver aujourd'hui, nous avons ça, c'est avant ou break là, il peut prendre dans CSG. Ouais. Qui veut dire qu'il prend des fois plus dans CSG, 13 milliards. Et ben misère qu'il est financé par CSG, ça veut dire que CSG income allowance, child allowance, school allowance, il fait 6 milliards. L'in prend DAO pour lui donner N. L'in prend doublé pour lui donner la moitié de ce qu'il prend. Ça coûte CSG. Mais deuxième affaire, ce qui est plus important là-dedans, c'est que quand l'in prend sa casse là où, l'in connaît lui. Qui ou peut le payer CR et qui ou pas peut qu'à joindre des bouts, l'une de nous, 1000 roupies là, moi, je viens dire, pendant tout le programme qu'il nous fait avant, qui sait comment dire, c'est le pétrole dans du fait. Qui fait m'appeler ça pétrole dans du fait? C'est parce que quand on donne casse, 1000 roupies, 2000 roupies, et ça casse là, comment c'est qu'il est dans l'économie, l'inflation, c'est-à-dire une situation que le prix monte, l'accentuer, l'amplifier par plus l'argent c'est qu'il est dans l'économie. Too much money chasing too few goods. Ouais, et mais là, le problème, et moi, souvent, je pose la question là à la radio. Qui bisait faire Non, d'abord, qui bisait faire, nous pouvons venir là, bien sûr, mais la question, c'est après l'élection qui va arriver. Peu importe que ça, soit si MSM restait, ou bien pas je travaille, Vini, ou bien une partie extra parlementaire prend. Mais la question, c'est qui peut arriver après l'élection. Là, qu'on peut montrer, moi, ça chiffre. Ça. 10 le TVA là, mais il paraît qui. D'après ben chiffre du ministère des Finances, si collecter plus l'argent le TVA, ce qui veut dire, c'est qu'ils prient pour continuer à augmenter. Absolument. Donc, si MSM au pouvoir, les regagne l'élection, les pour continuer le sabidze là, ça veut dire ce modèle économique pour baser le bidze qu'il a présenté pour l'année qui peut venir, financière qui peut venir, et l'infini dit où, qui 56 milliards, moi tu prends où, en forme de TVA dans l'année 2023-24. 24-25, Mobevin prend 65,6 milliards, ça veut dire 9,5 milliards qui fait 9 000 millions roupies plus en forme de TVA, qui veut dire c'est un aveu qui prie pour monter et gouvernement pour collecter plus de TVA quand du monde va le dépense casse. Dans le supermarché, dans la boutique, dans mon magasin, etc. Alors, on a un autre document. Mais moi, tu peux dire, ouais, on a fait, on dit, qui peut arriver après l'élection si ban les... pour réforme parti, ban parti extra-parlementaire, moi pas connais, mais pour réforme parti, moi quand j'ai eu, on annonce l'escalier semaine dernière, nous calculons tout chiffre pour baisser TVA pour 3%, de 15% à 12%. Des affaires, ça pour faire. Et premièrement, qu'il est pour soulager le monde. Prix baissé. Prix baissé. Deuxièmement, il stimule l'économie. Quand il stimule l'économie, qui nous veut dire par ça, c'est qui? Là, je dis où TVA là, il dépend de si l'activité économique augmente et il y a plus de transactions, allons dire comme ça, dans l'économie, le gouvernement vous collecte plus de casse en fonction de ça, l'économie qui peut augmenter là. Mais par contre, si ou pas baisse taxe là, il est difficile pour mon entrepreneur, mon entreprise et même mon grand compagnie travaille à un certain niveau d'activité. Mais si vous baissez TVA par 3%, il y a un gros manque à gagner dans les caisses de l'État. Comment on compense ce manque à gagner là? Il n'y a pas un manque à gagner. Il peut prendre casse en haut pour faire des affaires qui... Et en gros, ça fait qu'il peut l'annoncer là. Il peut prendre casse là au bout de nous. Vous pouvez comprendre, vous dire, il peut faire dominer. C'est moi qui peux faire dominer les peuples là-bas. C'est moi qui vous dis arrête de faire dominer les peuples.
ou pas capable de prendre 13 millions CSD ou donner 6 millions CSD à la WENS. Right? Man différent la WENS saute de CSD. Ou pas capable de prendre 9,5 millions en plus en forme de TVA qui ou pas peut donner les PIP d'une certaine façon. Parce qu'il nous peut dire si on prend 13 millions CSD et que tout nous coûte 13 millions, mais là, même, on finit un casse là. À ce 9,5 millions là, qui ou pas le faire ça? Moi, c'est qu'il. Mais le gouvernement, pour dire qu'il peut investir, il peut faire développement, il peut rendre. Mais tout ça là, parce qu'au-delà, c'est un même pli grand. Je ne sais pas comment appeler ça. Ce n'est pas appeler ça un l'affirmé qui baisait d'Alizier du monde. Parce qu'il est là où tout ça, man, development project qui peut causer là. Ouais. Il ne passe ni dans taxe, la il route, passe ni la route, le drain, la case. Tout ça là, c'est dans. Special fund. Special fund. Appelle ça Project Development Fund. Mais ça, special, si mais ça l'argent d'un Special Fund, là. Mais écoute, ils sont ça. C'est pas ben l'argent de... Mais de ça, mais ça qui me dit où tout le temps, je opère, comment dire, comment on appelle ça, une affaire au noir, qui n'est pas transparent, opacité. Personne n'est pas pour coder, ou est-ce pas pour coder, personne n'est pas pour coder, Special Fund, là, qui dit ça. Quand on rentre dans sa bidze, là, où vous trouvez une passe là-dedans, que je t'explique où ça, Special Fund là, c'est un extra budgetary item. Qui veut dire ça? Ouais. Extra budgetary item, ça veut dire pas trop de budget. Si vous permettez, Roche Badin, nous marquons une pause pub et après la pub, nous explique ça, Special Fund qui vous peut faire à Manchon. Ouais. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, la pub. At Jewish Tax, we are here to help your company grow. With nearly two decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBBs, as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Un, deux, trois, quatre, c'est parti! Avec KitKat Scratch & Win, t'es à quatre doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de deux Nestlé KitKat Four Finger Milk, White to Dark, reçois une carte à gratter! Gratte ta carte, avec tes quatre doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à quatre et participe au Scratch & Win de KitKat! Conditions applicables, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life.
Cœur de l'info. La suite. Nous pouvons décortiquer le budget 2024-2025 avec Rochi Badin et nous pouvons décortiquer surtout les chiffres. Donc, si ben internet, ben auditeur, peut suivre nous le YouTube ou le Facebook, il est beaucoup plus facile pour vous comprendre parce qu'il nous peut illustrer un document qui Rochi Badin fait amener. Et c'est un document qui est puisé, bien sûr, du site du ministère des Finances. Alors, avant la pub, nous fin expliquer qu'il y a beaucoup d'argent, la TVA. Donc, nous finis après les 56 milliards pour l'année financière qui peut terminer là bientôt. Et les pour gagner 9 milliards en plus l'année prochaine, Zislo item TVA. Maintenant, dans nos discussions, moi, je pose Rochi Badin la question parce que Rochi Badin peut dire que le gouvernement peut prendre casse avec nous en termes de taxes, mais peut donner aussi une partie de sa l'argent-là en termes de même allowance, de même mesure sociale. Ma question, c'était, mais le gouvernement peut aussi servir sa l'argent-là pour faire un projet de développement, peut investir dans la route, dans l'infrastructure, dans le drain, dans le logement sociaux, etc. Et là, Rochi Badin peut dire qu'il y a une lutte fond, alors il y a une lutte la caisse, qui appelle Special Fund, et dans sa la caisse-là aussi, il y a beaucoup d'argent. Alors, je me demande la régie, donc, montrer document E, donc qui fait état de sa special fund là, et sa chiffre qui highlighted de 18 milliards de roupies, donc ça c'est pour l'année 2023-2024, l'année financière 23-24, c'est-à-dire l'année financière qui peut terminer dans deux semaines. D'un special fund là, il y a 18 milliards de roupies. Donc, Rochi Badin, ça, c'est une lutte fond, une lutte la caisse. Absolument. Qui réunit quand même 18 milliards de roupies. Vous pouvez dire que c'est sa casse-là qui peut servir pour faire un projet de développement. Absolument. C'est un fonds qu'ils ont créé depuis plusieurs années. Padayati, par exemple, il présente quoi, combien 4 budgets déjà 5. 5 budgets. OK. Mais dans ce bon budget avant, il prend casse, il a le porc là-bas, dans Special Funds. Ça veut dire que quand tu peux pas se miser dans vos risques, quand tu es dans Covid, quand tu es dans tout ça, dans des affaires-là, je te prends casse, je te le dans une affaire qui s'appelle Special Fund, et que je te prends l'argent là pour que je devienne servi dans la dernière année électorale, ça veut dire ça l'année-là. Alors là, comment on trouve ces 18 milliards, et les pour servir, jusqu'à les 25 milliards, le chiffre qu'il aime lui présenter, 13 milliards en cours, il peut prendre dans Special Fund. Quand on pose moi la question, tu as l'air là, au fait, moi, pas tu parles, le Special Fund là, à ce stade, moi, tu peux expliquer ça, tu as l'air quand on finit avec le taxe. Mais quand on pose moi la question, on dit, moi, comment, mais quand il y a un casse pour lui faire, par exemple, si pas ban la case, social housing, quand il y a un casse pour lui faire flyover, etc. Mais moi, quand j'ai à la page 526 du budget, où il y a une affaire qui appelle Special Fund, ça s'appelle C, Project Development Fund. Là-dedans, il y a une histoire, il y a beaucoup de special funds là, là, il y a 4-5 comment. Mais ouais. Là, c'est Project Development Fund. Et là-dedans, vous trouvez l'inécrit Contribution to New Social Living Development pour 23-24, 8 milliards. Pour 24-25, 5 milliards. Living Jaou, comme ça, qui va faire Flic en Flac Bypass, l'in projet de 400 millions. L'Idiaou Hermitage Bypass, 138 millions. Tout ce que l'Idiaou d'Abidze, là, hein? Upgrading Savan Rhône, 200 millions. Construction flyover M1 la visi 150 millions. Mais tout ça, c'est pas personne d'habitude là. Vous vous dites, mais comment? Mais je fais un mazik. Avec ça, mazik. On a de l'autre qualité mazik là. Ça, c'est mazik même ça. Je prends casse d'une porte, l'idée dans un fond. Par exemple, un appel National Resilience Fund. Il y a un autre affaire qui, ça nous connaît, appelle le TOFUN. Ça, ouais. C'est l'argent, le tri. Ouais. Mais ça, pas beaucoup. Il pas, il pas, il y a mais finalement, Rochi Badin. Mais qui se. Non, Monique, ouais. Ça, pour que tu comprennes moins bien. Qui se peut faire là? Je peux tirer casse, mais mettre dans un système opaque qui ni n'a pas pour guetter, pour trouver, pour comprendre. Ni un commandé motel, un Mauricien qui a envie de comprendre comment casse ce pays peut être utilisé, pas pour comprendre. Parce qu'il est pas de man special fun. Vous rappelez l'époque Covid, tu fais Covid-19 fun? Ouais. Et puis, il y a un deuxième Covid-19 Solidarity Fund. Ouais. Ça passe, il se casse. Le gouvernement, tu peux mettre, mais casse les peuples, tu peux mettre. Du monde, tu peux mettre, faire donation, tout. Ouais. Mais qui est-ce qui a venu expliquer que ça casse là était? Combien il servit? Combien tu rentres là-dedans? Ça casse là, il doit consolider cette fund, ça.
Non. Il a là les puissants là-dedans, il a mis ça de special fund, c'est ça au Benjamin? Quand vous avez ce ban, vous avez déjà expliqué opening balance, closing balance, receipt avec payment. Comment opening balance l'a été, comment casse rentré, avec qui il fait ban paiement, après il est là, comment rester. Get Mojaou, par exemple, si nous prenons un exemple, nous prenons ou le National Resilience Fund là, l'idée comme ça qui là, balance à 30 juin 2024, c'est dans 153 millions. Mais seulement l'idée où, récit, 4,8 milliards pour rentrer là-dedans, hein? 4,9 milliards pour sortir, et finalement, les 30 juin 2025, dans un an, pour résister 16 millions roupies là-dedans. Ouais, mais où attends, beaucoup de chiffres là, nous ne nous a pas confus, nous le disons. C'est très important, mais espérer du monde qui est capable de suivre ce que Rochibatin peut expliquer. Il y a un chiffre, mais ça met un chiffre là, c'est le budget. C'est l'argent des contribuables, tout ça. Alors, Rochibatin, il y a le CAG, vous pouvez dire moi, 13 milliards in collecté. Oui. TVA, 56 milliards. Oui. Et là, il y a un special fund, un lot de la caisse, qui peut dormir tranquille 18 milliards d'euros. Et quand on voit tout ça, là, il fait beaucoup de milliards d'euros qu'il y a dans la caisse l'État là. Ça même qui, beaucoup de monde nous a dit nos coltards, il y a un casse là. Ouais. Beaucoup de monde, il y a un casse là. Moi, ce qui m'a dit pour vous aujourd'hui, avec mon chiffre qui gouvernement même peut donner, et moi, je vais montrer ça à la population mauricienne, c'est que combien de casse est dans, combien de casse il prend en l'épée. Combien casse pense pour prendre les peuples divins et get combien de nous les là ou pas le découvert qui ou comment dire d'un don de la force parce qu'il est dans du monde m'ont pas connu pour qui raison je peux trouver qui comment dire quand de nous un baisse le prix gaz une grande affaire mais laisse-moi dire où il coûte 200 millions roupies. Baisse prix gaz coûte 10 coûte gouvernement 200 millions roupies. Mais seulement quand il peut prendre CSG en haut en travailler avec son employé, les 13 000 millions de roupies. Et là, 13 000 millions ou et là, nous pas une cause, mais une taxe, l'eau, l'essence et le diesel, là. Non, si vous allez ça, mais ça ne plie pas ni encore, pas ni cabot. Vous avez un tableau, vous montrez où, qui n'est pas d'ailleurs, il y a de ce budget, là, l'eau, taxe on goods and services. Ouais, si nous pouvons montrer ça à l'écran. Alors, tant que vous avez tellement de documents, tax on goods and services. Donc, me demande la régie, aide-moi, nous pécos, documents. Document C. Document oui. C. Vous trouvez l'immédiat current revenue là ou là? Taxes. Tax. Ouais, revenue from taxes. Oui. À la voilà, nous en lisons à l'écran. Ouais. Mais. Non, c'est pas ça document là. Ça c'est VAT. Nous guettons la tax on goods and services, hein? Oui, document B. Document B, c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. Right. Les highlights. Tax on goods and services, c'est que vous pouvez trouver l'écran. Ouais. Et ça dans moi. Tout Mauricien peut guetter ça là, hein? 2022-23, il prend 84 milliards en haut. Ça veut dire 84 millions. Oui, 84 milliards. Et get quand il dit, dans trois dernières colonnes, nous trouvons 2024, 25, 25, 26, 26, 27. Ça veut dire de 22, 23, pour le 26, 27, dans à peu près 4 ans, il nous saute 84 millions tax on goods and services de Maurice, il vient 134 millions. OK. Ça, c'est pas mon chiffre, ça. Ça, c'est chiffre de Padayati. Si sa gouvernement l'a resté, si Padayati restait, d'après ce chiffre, ce ministère des Finances qui travaille, Lidjaou, en 2022-23, taxe le tout bon produit et tout bon service à Maurice, lui collecter 84,5 milliards en 2022-23, mais en 2026-27, d'après ce projection, lui pour prendre 134 milliards en haut, qui veut dire 50 000 millions taxes en plus le goods and services. Si un autre gouvernement vient ce chiffre-là pour changer. Mais définitivement, moi, pas dire où il faut partir, nous parlons baisse TVA là pour 3%, toute la chaîne de TVA pour baisser pour 30%. À cause de ça, il faut partir, dire où obliger baisse TVA de 15 à 12%. Et vous pouvez dire, qui manque à gagner? Tu es là où tu poses moi une question. Mais ce n'est pas manque à gagner, là, Nawaze. Ces autres peuvent faire dominer, c'est moi, je peux dire où. Nous peuvent faire arrête de dominer les peuples. Arrête de prendre autant de casseur du monde. Get ça. Ou en décimé. Un décimé, c'est où on est venu ou donner. Un décimé, c'est qui
ou faire roupie là sur valeur réaugmenter ou besprit là dans la boutique ou arrête taxer dans manière qui ou peut taxer ou arrête tu as casse dans pose du monde. OK, d'accord. Alors ici c'est qu'ils ont bevé saisis donne casse boire mon tidier tout le temps quand ou donne casse il crée l'inflation. Ouais. Il préfère prix mode plus parce qu'il plus beaucoup l'argent parce qu'il est dans l'économie, il fait prix mode plus. Mais du monde ça met une l'autre dans des autres là, met l'autre dans des autres. Beaucoup du monde quand un casse d'autre compte. Mais à cause ça me dit que il trouve une formule facile pour qu'il lui dise quand on donne 1000 roupies, 2000 roupies, et dans le monde, pas pour comprendre rien, je vous dis comment le gouvernement peut donner casse ça. Marie, c'est rien, nous votons ça gouvernement là même. Mais ce qu'il n'y a pas pour comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus misère et ne s'oppose pas qu'à cause de mentir. N'importe qui dit, ou qu'à cause de la radio, moi, je cause de la question, tout le monde cause de ce qu'il a envie, Jagdat qu'à cause ce qu'il a envie, pas d'artiste qu'à cause. Mais le monde là ne s'oppose pas qu'à cause de mentir. La fin du mois, quand il balance ce compte, quand il était comme il casse rester dans ce poste, il connaît, c'est pas quoi de dire, donc il est better off ou soit il est worse off. Alors, on dit donc, bien, arrêt de dépréciation de la roupie, tout ça, c'est bien des affaires de roupie, causer comment on stabilise la roupie. On dit donc, à travers une baisse de 3% TVA, prix tout de suite baissé, ça va nous finir déjà ça. Mais on amène les autres aspects qui nous ont abordés après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, votre radio. At Juristax, we are here to help your company grow. With nearly two decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBBs, as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Un, deux, trois, quatre, c'est parti! Avec KitKat Scratch & Win, t'es à quatre doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de deux Nestlé KitKat Four Finger Milk, White to Dark, reçois une carte à gratter! Gratte ta carte, avec tes quatre doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à 4 et participe au Scratch & Win de KitKat! Condition applicable, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life!
l'info. La suite. Cette première partie finit à beaucoup de chiffres, mais un chiffre qui est très important parce que c'est un chiffre qui concerne la taxe. Donc moi ou tout le monde nous paye différentes taxes. La fin du mois, l'argent coupé le CSG, nous paye TVA quand nous achetons nos nouvelles articles, nous paye income tax, nous paye toute qualité taxe et nous finit démontrer à travers un document qui puisait du site du ministère des Finances le combien d'argent l'État collectait à travers la taxe. Et pour nous résumer, pour nous clore cet item de taxe-là, nous pour revenir à ce document qui vous trouvez allé là, donc je demande à la régie de montrer ça à l'écran, ce document-là, il résume l'argent donc, total qui l'État prélevé à travers la taxe. Vous pouvez écrire en capital taxe. Donc, et là, Roche Baden nous trouvait que pour qu'il l'année 2023-2024, donc, fin prélève 153 milliards de roupies à travers de taxes. Et là, quand nous cause taxe, sa taxe qu'il peut montrer en capital là, il y a tout là-dedans. Hein, il y a income tax, TVA, tout ben taxe là. Comment vous trouvez à l'écran taxes en gros, en bold et en capital? Après, si c'est en value, vous trouvez dans taxes on income and profit, taxes on property, taxes low on produits, services, goods and services, taxes low international trade, other taxes. Tout ça là, il résume à sa cifre que vous trouvez. La honnête cotinéka taxeuse là. Mm-hmm. Si vous êtes 2022-2023 dans Oise, nous prenons les premières colonnes. Hein. Première colonne, là-haut, vous trouvez 129,787. Ce qui veut dire, il y a un million ça. Hein. Si vous êtes la honnête, vous trouvez un million en roupies. Ça veut dire 129 000 millions de roupies de taxes. 129 000 millions, c'est-à-dire 129 milliards de taxes qui ne prend en 2022-23. Mm-hmm. Maintenant, nous, qu'est-ce qui pas d'ailleurs, dis-nous, pour ce projection, allons dire 2026-27. Moi, dis bien, si ça gouvernement l'a resté, si pas d'ailleurs, ce ministre des Finances, l'Ibouvine 217 milliards, le dernier chiffre là, quand il n'est qu'à taxes, en bol, voilà, ce dernier tableau, dernière colonne, 217,114. Les autres 129,787, ça veut dire 129 000 millions, Livin, 217 000 millions dans l'espace de 4 ans à peu près. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il est presque doublé. Il est presque doublé d'une certaine façon. 129 milliards, Livin, 217 milliards taxes qui vous pouvez prendre. Tout taxes confondues, que ce soit taxes directes, taxes indirectes, taxes le produit, taxes le service, taxes income tax, corporate tax, tout ensemble, saute 129 milliards et vient 217 milliards dans l'espace de 4 ans. Ouais. Mais vous vous posez la question, mais écoute, Castal, les là, c'était ou pas le comprendre. Ce qui peut donner, guette-moi, dis bien dans le langage, dis-moi, on va comprendre. Il ne nous en disait, il ne prend une BFAO. Il ne nous en disait, il ne prend une BFAO. Quand dis-moi, on dit, moi, on connaît pas sur vieillesse, il ne montait. OK, puis dans le problème, il monte comme 4 milliards. Pour ça, l'année qui là, c'était là dans la bidze là. Mais quand vous avez ça, là, Roche Baden, avec sa casquée dans la BK, fait pencher vieux, c'est 20 000 roupies, toi. Mais moi, je peux dire, où, get là, je fais une prédiction, je dis, où, dimanche là, les papiers appellent tout ban fonctionnaire dans Swami Vivekananda, et ils peuvent mettre pression, là, du monde, donne ton nom. Ban secrétaire permanent dans cette année, il a dit, complet dans nous, hein. Ban secrétaire permanent, l'armée en barreau, c'est bizarre, appelle ban staff pour dire, comment, hein, ou puis aller, qui fait ou pas aller dimanche. Mais tout non. Mais tout non. Et non, mais non, les enfants malades, le, tout ça. Non, les enfants pas malades dans les labs. Ou bien, mais tout non, s'il n'a pas besoin de donner une explication, qui fait ou pas pour aller dimanche, soit vivre Canada. Tout fonctionnaire, bien présent. Pour que M. Tchagdan vienne là-bas, il annonce qu'il lui parle d'une révision salariale. Et probablement, d'après ce qu'il nous peut lire, nous peut tendre, les Boudjaou, il peut augmenter jusqu'à 5 000 roupies. Right? Mais qu'à cela qu'il saute. Mais dans ce qu'il nous peut montrer où là, ce qu'il nous peut montrer où là, les taxes là sautent 129 milliards. Dans 2 ans, 3 ans, il pouvait aller 217 milliards.
Mais du monde là, qui peut payer, qui ça n'a qui peut payer pour ça, augmentation ouais. libre de nous là. Qui ça n'a pas le payer pour ça, pension vieillesse là. Qui ça n'a pas le payer pour ça, maternité à la Wednes là. Ouais. Qui ça n'a pas le payer pour ça. Mais encore une fois, M. Rochibadin, c'est bien, vous pouvez montrer ça, même chiffre là. Bon, vous pouvez interpréter ça, même chiffre là. On peut montrer combien il peut prendre en plus, qui c'est qu'il peut donner. Oui, mais encore une fois, on retourne au secrétaire au commencement. Tout gouvernement prélève une taxe, une collectivité de taxes. Le gouvernement prend taxe. Et l'argent qui prend le taxe. Dominer, comment? Tout l'argent qui collectait le taxe, il augmentait d'année en année, sous différents régimes. Absolument. Ouais. À cause de ça, moi, je dis, mais ça qui m'a dit, je pose la question, mais qui est anormal, Zodi, là, dans tout ça? Ce qui est anormal, c'est qu'il mourrait, je dis, en créole simple, pour que vous compreniez, de nous, Dizef, peut prendre bif. Si vous avez un chiffre là, il est clair. Un premier tableau qui nous était avant où quand nous commençons l'émission, c'est tout ce qui nous donnait là, principalement, dans le Mésia Populaire, il coûte 13 milliards. Mais seulement, on trouvait 13 milliards. Si CSG, il vous prend 13 milliards en plus. Ouais. Dans l'année qui vous venez là. ZIS TVA, il vous prend 9,5 millions en plus dans l'année qui vous venez là. ZIS, quand nous avons dit, en termes de projection, le tax and goods and services, le ban produits et ban services, sont 84 milliards 2022-23, ce chiffre, il vient 134 milliards 2026-27. 50 milliards le tax and goods and services en plus. Mais du monde là, pourrait se soigner, pourrait se plaindre, pourrait y a un problème même, parce que vous pouvez prendre trop beaucoup comparé à ce que vous pouvez donner. Et là, ce qui vous peut montrer où, vous espérez, on dit la fibre là, sorti net dans les yeux là, parce que ce qui les prend exorbitant comparé à ce qui est de nous. Et je ne vanne ce qui est de nous là comme étant des affaires, mon pas connaît moi, extra, qui est de nous. Et non, je ne sais pas, mais je ne trouve ça. Okay. Qui nous donne autant pension vieillesse, qui nous donne autant allowance, income allowance, etc. etc. Mais c'est moi quand on m'a le colta, je me dis comment je peux souffrir, je peux pas se misère, je peux pas faire des bouts. Et on pose la question, mais plus donner, plus ou pas se misère. Mais se donner, mourir, se passe misère. Mais aujourd'hui, moi, je monte au CIF, qui fait, je ne peux pas se misère. Parce que sans augmenter taxation, 15%, on peut sur 15%, mais manière qu'il peut venir à casse ou par exemple, quand le prix peut monter dans la boutique, un gouvernement bizarre sous l'as les peuples pour les alliés et ça, moi pour baisser sa rate TVA. Là. Vous connaissez TVA, c'est pas juste le produit là, ça. Hein? Et dans le monde, quand vous avez dit ça, ah, ben, tel l'article paye dans TVA, ben, qui vous peut dire là? Ouais. Mais laisse-moi expliquer bien. Pour... Oui, parce que vous avez dit, vous connaissez, ben, le plusieurs produits de consommation paye dans TVA. Par exemple, moi, c'est une boîte thon, une boîte sardine dans la boutique. Est-ce qu'il y a TVA là? Ben, moi, explique vous, ça boîte thon là, il vient dans un container. Ou d'accord, moi? Ça container là, tu peux coûter 2 500 $ pour amener ça là, 20$, ça peut coûter 7 000 $ pour amener là. Un, premièrement, container là, c'est au prix de montée, d'accord? Ouais. Deuxièmement, le gouvernement peut mettre 15% l'eau, sa frette là, qui veut dire que plus prix là monté, plus ce taxe TVA qui lui prend beaucoup. Ah, c'était deuxième. Quand vous prenez depuis le dans les pots pour amener ça, quand ça warehouse là été, service camion, service diesel. Diesel est dans TVA, là, vraiment dit. TVA, c'est une affaire qui rentre pas, tout ça. Et il rentre l'étape, chaque process dans ça, la scène là. La scène de distribution, la scène de production, c'est taxe sur valeur ajoutée. À chaque fois qu'il y a un nouveau affaire, un nouveau process, c'est une TVA appliquée. Mais qui veut dire que vous avez le ton là, quand vous avez acheté dans la boutique, vous pouvez gagner un loin canton, mais menti, pour ce canton là, vous avez dans la boutique là, comme TVA, vous avez payé l'eau, comme vous avez fait pour faire amener ça jusqu'à là. Alors, nous avons calculé en fonction combien TVA du monde a payé. C'est un moutou, 59 000 millions roupies pour ça l'année là, 65 alors, 000 millions pour l'autre année. Déjà 18h, nous pouvons aussi en deuxième partie aborder la question de la dette publique et de pouvoir bien réviser la dépréciation de la roupie. C'est ça qui peut causer pas mal de problèmes à ben consommateurs. Nous pouvons aborder tout ça. Je signale à un auditeur qui, depuis des semaines, nous perdons deux ministres Padéati pour capable de nous donner une explication. Et là, après l'exposé de Ramassi Tanen la semaine dernière, et ce qui Rochibanen peut dire nous aujourd'hui, il est très important qu'il nous gagne la version du ministre des Finances Ranganathan Padéati pour qu'il nous confirme. De toute façon, les chiffres sont confirmés, ce sont des faits qui sont disponibles au site. Mais Rochibadin a son interprétation. Peut-être le ministre des Finances est capable de donner leur interprétation, il est capable de réfuter ce que Rochibadin peut dire. Donc, nous espérons que prochainement, nous sommes capables de gagner l'eau sur plateau là, le ministre Padéati, pour donner nous une explication. Restez branchés, nous reprend après la pause info. Au cœur de l'info.
At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBBs, as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Retrouve Elodie Domaine pour la synthèse de l'info. L'info. Elodie, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Tudimoun, ministre Transport Périguet. Ce décision, ban la manne qui liée à ban infraction concernant ban la plaque immatriculation peut passer à 5000 roupies. Contravention qui était initialement prévue à 25000 roupies fin revoir. C'est une annonce qui Alan Ganou a fin faire dans une conférence de presse aujourd'hui après-midi. Une décision qui fin prend après ban réaction négative de la part de ban automobiliste. Selon lui, c'est ban la manne raisonnable qui peut agir comme un deterrent pour contrer l'insécurité routière. Et que non pas pour remplir la caisse gouvernement. Alan Ganou pouvine de l'avant avec Road Traffic Amendment Bill dans le Parlement mardi. À nous écouter au micro Didier Rose. Initialement, nous qui proposons 25 000 roubis pour une offense concernant plaque numéro. Suite à bande réaction qui nous gagne, nous finissons avec consultation ban les autorités concernées, nous finissons décide pour harmoniser tout ban délit concernant plaque immatriculation, plaque numéro. Et nous finalisons tout ban la man concernant sa ban délit là. L'au même niveau. Ce gouvernement-là, vous pensez tout bon citoyen de bonne foi, ce pour réaliser, si pas le gouvernement permet de remplir sur la caisse, comment pas qu'il dit mon petit à cause ça, il ne commente la manne. C'est pas ça. C'est ZIS, nous faire un Mauricien plus conscient de notre responsabilité sur la route. Panel juré d'un procès qui est tenté à Bernard Migros fin séquestré à Portiers aujourd'hui. C'est une décision qui Ziz Lechmi Passat de Jayeb fin prend lors de la séance de cet après-midi. Le juge fin appelle ban consigne, rappelle plutôt ban consigne à ban juré, notamment qu'ils n'étaient pas capables que ça casse là avec ban les autres Jimoun et qu'ils ont besoin évite lire ban article de presse entourant sa procès là. Lors de sa audience aujourd'hui, la Martine Desmarré, une camarade du couple Migros, fin également auditionné Kevich Leximon. Auditionné par M. Gavin Glover, avocat BNR Migros, Martine Desmarré a confirmé qu'il coupe Migros avec ce désenfant qui vient de Côte-Livre vers 22h30 le 9 mars 2001, soit la veille découverte de l'écho Vanessa Lazis de ce baignoire. Témoin précisé que coupe Migros est allé vers minuit 40. Il ne s'est avancé qu'il y apprend la mort Vanessa Lazis vers 15h30 le 10 mars 2001, alors qu'il s'y loue la place Pérébert en compagnie d'une cousine de la victime. Je tiens à le code BNR Migros pour annoncer sa nouvelle là. Martine Desmarré a ajouté que BNR Migros est choqué quand il apprend sa nouvelle-là et qu'il connaît sur la tête avec capot sur le tout. Par ailleurs, M. Gavin Glover présente des certificats médicaux et qu'un rapport médical de la santé bien nommé Grosse Madame, qui a signé comme témoin de sa case-là. Juge Lachmi Passat Ojaye bien avancé qu'il y a une board médicale pour examiner Isabelle Migros demain et que par la suite, je peux décider de la marche à suivre. Procès-là pour reprendre lundi. Pena aucun trace ban reste Bianca Perrine qui portait manquant depuis août 2023 dans quatre bornes. Ce concubin fin avoué qu'il est fin tuilé et fin enterré au terrain en friche dans la source et que des présumés complices fin également arrêté dans un sac à main qui paraît pour victime là fin retrouvé grand matin lors de ban recherche qui peut continuer lundi. Statut financier ban collège privé dans le rouge avec gestion qui pévine plus en plus difficile, constat. Fédération de ban managers de ban collège privé, Ramda Selaya, président de sa fédération là, peut dire qu'il y a un déséquilibre du budget qui vient observer en raison du système de subvention. ZP donc réclame l'introduction à une nouvelle formule, ZTIS ou NZODI, dans collège BPS dans Beaubassin. La fédération fin envoie une lettre, premier ministre, et ZP demande une rencontre. À nous écoute Ramda Selaya au micro de Sheila Mansing. Nous besoin arrêter sa formule là tout de suite. L'exportateur besoin retourne l'ancienne formule et retourne tout l'argent qui vient dépenser for the intended purposes of education. Ça, il faut retourner. Tout du monde, l'école capable de respirer, capable. Il faut une nouvelle formule. Et la nouvelle formule under an independent chairperson, comme a été tout le temps.
Nous avons beaucoup de confiance. Plusieurs fois, nous pouvons demander une réunion avec le Premier ministre. Parce que nous sommes sûrs qu'on écoute nous, les choses vont sens. Nous pouvons attendre toute une vie en bas là-haut dans l'école. Alors, bien retourne l'ancienne formule jusqu'à ce qu'il nous ait une nouvelle formule qui nous met sur place. Fête de la musique peut célébrer aujourd'hui. Depuis, c'était Grand Matin Radio Plus peut célébrer en grande pompe ça, la journée musicale là. Donc, finit une série d'activités en direct de l'esplanade de la municipalité de Pau-Louis et qu'il y a un conseil qui peut attendre de 19h à 23h en tête d'affiche pour une Désiré François, Vanida Teplan, Kisho Kimian, Tanushri Dance Group, Amali Gessi Dance Group, Big Frankie, Caropéenne, Bombo Clac et The Prophecy. Avec des hauts, les États-Unis pour donner la priorité à l'Ukraine pour une livraison de missiles anti-aériens. C'est ce qui est le porte-parole de la Maison-Blanche fin confirmé. Une annonce qui fin saluée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui dit qu'il est profondément reconnaissant à Joe Biden pour accorder donc priorité pour ce pays. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci, vous finissez avec nous. À 19h, c'est Amna Tasnim de qui vous pourrez trouver pour le bulletin en anglais dans quelques instants. La suite de l'émission Cœur de l'info avec Nawaz Nobucks et son invité Roshi Badin. Sur Radio Plus, restez connectés à l'actualité en direct. L'actualité en direct. La voix qui vous informe avec passion et précision. Radio Plus, l'info fiable et crédible. Radio Plus, la pub. At Jewish Tax, we are here to help your company grow. With nearly two decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBBs, as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Un, deux, trois, quatre, c'est parti! Avec KitKat Scratch & Win, t'es à quatre doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de deux Nestlé KitKat Four Finger Milk, White to Dark, reçois une carte à gratter! Gratte ta carte, avec tes quatre doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à quatre et participe au Scratch & Win de KitKat! Conditions applicables, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life.
Awaz Nourbux. Deuxième partie au cœur de l'info, nous pédécotique budget 2024-2025, avec nous le leader du Reform Party, Roshi Baden. Durant la première partie, il a beaucoup été question de chiffres, mais même chiffres très importants. Et Roshi Baden finit interprète ça mène chiffres-là. Et nous espérons qu'il, dans le prochain avenir, nous capable de gagner le ministre des Finances pour répondre à ce qui Roshi Baden, mais aussi à ce qui Ramas Itanen fin dire la semaine dernière. Et là, Roshi Baden, donc nous fatiguons avec chiffres durant la première partie. Nous terminons le cerveau des chiffres-là. Un dernier chiffre, me demande la régie, donc projet d'un dernier document qui Roshi Baden a envie de montrer nous. Donc, ça concerne la dette publique, Roshi Baden. Oui. Mais comment vous trouvez, nous ne causons le CSG, nous ne causons le taxe, mais là, la dette, est-ce que le gouvernement là peut en détruire plus ou bien non? Et il est clair, quand vous êtes là au milieu, in highlight, General Government Debt, nous prenons l'IPU 2000, juin 2024, revised estimate, ça veut dire actuellement la dette d'après General Government Debt, 460 milliards. Ouais. OK? 460 milliards. Si vous êtes pas d'ailleurs, tu restes, gouvernement là, resté, en 2027, ça veut dire dans trois ans, l'IPU arrive 561 milliards. Pas moi qui dis ça, pas d'ailleurs, tu qui dis ça. 460 milliards, Bouvine, 561 milliards dans l'espace de trois ans, ça veut dire la dette pour augmenter en termes absolus par plus que 100 milliards de roupies. Est-ce que ce chiffre-là, il inclut une dette ben para-étatique, ben special purpose vehicle, ben SPV, est-ce qu'il est tout là dans un? Non, lisez ça en bas. Si vous êtes deuxième la ligne, public ouais. Enterprise debt, ou pour tout ce qui pour ben public enterprise, ça veut dire... Ouais. Ban l'organisation là. Après, il y a là où il y a un public sector debt. Ça, l'inajoute tous les deux ensemble. Mais moi, je vais montrer où General Government Debt, 460 milliards, pour vin, 561 milliards dans. Ouais. Mais encore une fois, Roshi Baden, gouvernement pour vin, qui les peut prendre casse prêté pour faire développement. Le Boudjaou, tout pays fait ça. Mais je vais montrer où développement, casse la papa, saute dans la dette là, développement, project development fund, tu as là, je vais montrer où saute dans special fund. Ouais. Ni l'IPSO de CSZ, ni l'IPSO de taxe. Non, gouvernement, papa, il prend casse prêté pour y aller faire Majakaro. Il peut prendre casse prêté parce qu'il a un projet, n'est-ce pas? Non, gouvernement, c'est mauvais dire où là? Comment l'IPSO de la fumée de l'Olivier? Dette peut augmenter, peut venir 561 milliards. Mais vous connaissez qui l'IPSO de là? Si vous appelez Jagnat ou pas d'Ayati là, l'IPSO de non, mais en termes de pourcentage, mon BBC. Gette ça en bas. Où vous trouvez l'imité, oui. General Government Debt as a percentage of GDP, li saute 65,4%, li vin, d'après ce calcul, 57,9%. Mais en réel, ou dette, combien ou doit 460 milliards en 2024, en 2027, ou pour doit 561 milliards, pas mon chiffre, c'est le chiffre qui m'a donné. À qui point les graves, qui point arriver? Mais les pécouillons-nous, c'est ce qui m'a envie d'expliquer, du monde, les pécouillons-nous, parce qu'il y a ça, quand on peut divise des ports, ce qu'il appelle GDP, Gross Domestic Product, c'est-à-dire l'économie. Mais les pécouillons, quand on divise les pour faire 65%, baisser 57%. Mais en termes réels, ils sont 460 millions, ils viennent 561 millions. Mais parce qu'ils sont si forts, qui peut diviser là, GDP là, ou peut redire que l'économie peut grandir. Alors qui peut dire où? Ils rejoignent nous là. Ils rejoignent ça à cause de qui on dit, moi, t'as l'air là. Qui peut prendre dette pour y aller faire développement, pour y aller faire l'économie grandir. Ils peut dire où? L'économie peut grandir plus qui dette qui peut prendre. Non, je ne sais pas. Dire. Moi, je me pose une question simple. Qui le l'émène, qui peut écouter, peut poser sa question là? Oui. Zodi là, dette publique là, d'après sa chiffre là, 460 milliards de roupies. Enfin, pas de dette publique, dette gouvernement. Dette gouvernement. Il y a une différence entre dette publique. Dette publique ou besoin de dette ban para-étatique tout. Ouais. Mais il veut dire où General Government Debt. Allez. Bon, les 460 milliards de roupies. Mon question est bien simple et direct. Oui. Qui fait les graves? Qui fait les graves parce qu'il y a un pays endetté à un certain niveau, mais dit, mais il y a banqueroute. Paris comme un papa dans la case, n'importe qui la case. Les banques, c'est pas manager l'économie comme un bizarre. Non, mais où doit, c'est ce qu'on peut payer. Dans Sri Lanka, qui n'est arrivé, c'est qu'on continue, mon tu dette, c'est ce qu'on n'est plus capable de payer. Là, finalement, on peut taxer, c'est ce qu'on n'est plus capable de taxer. On peut penser SD, c'est ce qu'on n'est plus capable de penser SD, c'est ce que ça fait la case, là, où figure.
Zav la kras da ou figia. En sel zou li pa bo li kras da ou figia. En nan di moun ka pa ko kompran ki en zou li ka kras da ou figia. Mais zou li kras da ou figia fini. Alors, ça que tu peux nous comprendre bien, tu peux nous dire quoi? Non, pas d'arriver, pas d'arriver, pas d'arriver. Quand tu peux expliquer, mais trop dans quatre bonnes, nous c'est pareil. Astel, tu m'as dit là qui l'a trouvé. En d'autres mots, c'est qui m'a permis de faire comprendre, prévenir, c'est faire du monde comprendre qui est capable d'arriver devant si vous continuez dans cette direction-là. Et quand on continue dans cette direction-là, arrive un jour, quand ça fait l'année qu'éclaté, vraiment, tu. La Grèce, il arrive pareil, Venezuela arrive pareil, Zimbabwe arrive pareil. Tout ça va un pays. Jimoun capable de traiter tout de prophète de malheur. Mais pas prophète de malheur, de réaliste. Comme vous avez un siffle là, vous pouvez trouver que si un Jimoun dit que dette saute 460 millions, il vient 500. Eh, hey, qu'est-ce que ça? Je m'explique une affaire simple. Hein, tout le monde vous comprend, ok? Moi, adresse-moi à tout le monde qui va écouter dans Maurice. Il prend combien l'année pour ça, dette là, il vient 460 millions? Moi, je vais dire, nous, depuis l'existence, depuis Maurice, indépendant, elle a dit 50 ans, nous mettons 50 ans. Ouais. Hein? Pour dette Maurice, gouvernement, ce dette publique, enfin 460 oui, millions. Sous différents gouvernements, les différents continents augmentent. Milliards, les 1460. À ce moment-là, 460 pour 2024, 25, 26, 27, dans 3 ans, on augmente, il passe 100 milliards. Mais il n'est il passe 50 ans pour 1460. De 300 à 560. Donc, au point où c'est sous sa gouvernement-là, les fins augmentées d'une façon exponentielle. Exponentielle, unsustainable going forward. Et je peux cause ou mentir. Je veux dire, au pourcentage-là peut baisser, qui fait, parce que je peux diviser par un chiffre qui peut augmenter l'activité économique tellement. Vous connaissez combien, si vous prenez un chiffre-là, n'importe qui, je peux le faire mathématique-là, hein? 460 millions pour arriver à 65,4% quand vous divisez. Right? Ou bien un chiffre qui représente le GDP. Ça veut dire l'économie. Oui. Attends, je ne veux pas vous comprendre. Quand on arrive 3 ans après, on fait 561 millions, ou bien divisé par un chiffre pour 57,9%. Vous connaissez combien l'économie vous a augmenté dans 3 ans là? Vous connaissez combien pour quand vous divisez l'IBC? Ouais. L'économie vous a augmenté par un facteur de 250 millions. Mais Roche Badin, oui, gouvernement premier ministre, gouvernement pour dire que ça, mais nous avons le métro, ça peut faciliter la vie. Ben métro va là-dedans. Métro, il n'y a pas qu'à payer dans l'Oise. En sous, ni capital, ni l'intérêt, il n'y a pas qu'à payer. Tout ce qui est un voyage, c'est un voyage, allons dire, dette, ni capital, ni l'intérêt, moufta, puis voyage moufta là. Okay. Gouvernement va qu'on paye en sous ça. Et dans le moratoire, ZIS, gouvernement peut prendre casse, peut mettre dans le métro pour maintenir le métro là. Okay. Pour faire ce roulement, pour payer la paix, pour payer l'autre, pour payer tout ce genre là. Ça casse qu'il y a une propriété pour y aller mettre dans Maurice, pour y aller à ce train amener là. Il prend avec mettre sur l'infrastructure, avec ce courant là-haut. Pas encore payer capital, c'est ce qu'a dit. Tout ça là, c'est même qu'il nous appelle off-book. Off-book. Il n'y a pas dans budget. On nous a trouvé, on trouvait dans budget là, il mettait métro comme il doit. Pas payer dans là-dedans, il n'y a pas comme ça lui. Ça, vous connaissez comment l'infer, vous expliquez comment l'infer. Bon, vous comprenez comment l'infer, vous connaissez qui qualité mordaille qui déroule. Quand on dit mordaille, c'est astuce. Moi, je dis une astuce ouais. financière. C'est un mot mordaille, c'est péjoratif. Péjoratif, mais nous disons astuce financière. Hein? Ouais. Pour moi, ça qui veut dire mordaille. Okay. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il prend un loan à travers une affaire qui appelle SBM Infrastructure. Ouais. Right? Avec Exim Bank de l'Inde. Gouvernement l'Inde qui met le gouvernement Maurice Casse, mais à travers une entité qui s'appelle Exim Bank de l'Inde, qui prête une entité à Maurice, une la banque, SBM, ouais. L'IAL crée une compagnie à ce appelée SBM Infrastructure Limited. Mais vous posez la question, mais qui fait Exim Bank prête SBM Infrastructure? À SBM Infrastructure paye ça, prête ça, une compagnie ça. Il prête ça à ce l'autre compagnie qui s'appelle Metro Express Limited. Et à ce Metro Express Limited, là, vous posez la question, mais il fait profiter de cette histoire-là pour lui repayer sa dette-là. Ouais. Là où quoi qui est arrivé, le gouvernement lui donne une garantie. Là, quand l'État mauricien rentre en jeu, pour donner une garantie, une government guarantee, là, ça casse qui ne prend prêté là. Là, le gouvernement, là, il dit comme ça qu'il peut donner un moratoire, qu'il n'est pas pour vous payer le capital là, et que sur l'intérêt. L'intérêt là, qui m'y est, lui. C'est moi pas besoin de payer, jusqu'à un certain temps. Vous pensez là, à partir de 2025, pour vous commencer à payer. Entre-temps, l'IPDIA ou l'IPO expande le métro là entier Maurice, tant ça le glas. L'IPO à l'est, l'ouest, moi pas connais les nœuds, les sites, beaucoup l'IPO à l'emballater, l'IPO à là-haut, les ciels, tout, partout l'IPO met le métro, Emily.
Arrête! Libéja ou coupe ça? Mais tu vois, tu vas et combien vous coûtez ça? Ce capital, c'est qui t'en fini mettre là, t'en payer ça? Mes enfants qui ont besoin de travail pour le payer ça, divant, tes enfants, tout maman, papa, Mauricien qui ont besoin de travail pour payer ça. Mais toi, tu vas pour là, toi. Mais qui c'est là qui va le payer te dette? Dette qui toi, tu prends, te mettre le mot la tête? C'est qui m'a payé à où là? Ça, Mauricien là, mais ça comprend, ça 460 millions qui décrète de bidze pour 2024, qui doit 3 ans pour 561 millions là, 500 millions en plus là. C'est ça, mes enfants Mauricien là, qui pour besoin de payer ça du vent là. Jack, t'as pas pour là, pas d'ailleurs, tu pas pour là, Ramgoulam, pas pour là, Béranzé, pas pour là. Ok, mais intéressant, c'est que vous pouvez dire. Oui, intéressant, c'est que vous pouvez dire, vous pouvez suivre vous, comme tout Mauricien peut suivre vous là. Mais le problème, Roshi Badem, on dit où ça t'allait là, Mauricien, les se penchons peut augmenter. Là où il faudra Pravin Jagnat pour annoncer, pour réaligner salaire, pour être plus casse. Donc, du monde là, vous dire où est ça? Pas venir dire moi ça mène des affaires là, moi pas comprendre que vous pouvez dire moi ça fait chiffre tout ça là, ou pouvez dire moi, vous pouvez dire tout gouvernement prend taxe sur moi pour vivre, moi gagner. Allez, moi explique quoi. Donc, mais bien. Là, et surtout la veille élection, ou pas connaître qui pour annoncer encore, qui pour donner encore avant élection, et pas si ce gouvernement, l'opposition parlementaire, travaille, c'est même, lui aussi, il annonce beaucoup de choses, 20 mesures. Transport gratuit, internet gratuit, congé maternité un an. Ça, comme on dit dans mon introduction, mettre faux, gagne faux, là. Donc, est-ce que vous pensez que Mauricien là, il peut écouter tout, il peut comprendre, mais est-ce que vous pensez qu'il peut assimiler, il peut être sa bigger picture, là, après élection qui peut arriver, dans 10 ans qui peut arriver, dans 20 ans qui peut arriver, ou pensez, est-ce que Mauricien peut gagner sa traque, là, lui? Non, si Mauricien pas qu'on vote sa fois-là, il peut payer le prix très, très cher de ce... Allons dire, manque de discernement en fonction qui peut arriver divant. Dans NBZ, il finit de dire taxe, total taxe, 129 milliards. Dans 3 ans, 2026-27, il vient 217 milliards, total taxe. Qui c'est là qui vous paye taxe? C'est les enfants du monde mauricien, mauricien, compagnie mauricien, consommateur mauricien, ils asaient de la route mauricien. Mais tout, là, même bande contravention, tout ça, là, vous pouvez plisser. Mais quand vous pouvez guetter, qui Mauricien, là, peut trouver, oh, ce lisier qui 127 milliards pour 219 milliards, mais qui n'en peut pas comprendre là-dedans. Vous pouvez payer taxes en plus dans les 3 prochaines années, 4 prochaines années. CSZ, vous devez, il prend 13 milliards, il donne 6 milliards. Qui veut dire, il peut prendre les doubles de ce qu'il peut donner. Pas qu'il existait ça, CSZ. Pas qu'il n'y a aucun manifeste électoral, ça. Grand cousine, causez-le. Pour doubler pension vieillesse, pour faire ceci, cela. C'est ma partie, non? L'audacité, vient dire, qui get ça, pour introduire un nouveau affaire qui n'a pas existé, qui appelle contribution sociale généralisée. Ça, comment dire, qui est arrivé? Dernier, là, comment dire, quand Astéina Menzanana, là, ben, passe du bien. Une autre chose qui peut fatiguer beaucoup du monde, et c'est nos roupies, valer nos roupies, que ce soit quand nous voyageons ou bien nous amène des enfants qui peuvent étudier en Europe, bizarrement, ils cassent à ces mêmes enfants-là. Quand nous peut payer ben produit qui est importé, et c'est un gros impact. Ramassitanen qui a expliqué ça la semaine dernière, comment les roupies finissent continuer à déprécier. Moi, ma question, Roshi Badem, comment on peut arrêter ça, concrètement? Qui peut faire? Mais vous avez mettre un lot dans des autres là, vous avez restabilisé partout. Comment faire ça? Vous avez une discipline fiscale. Vous avez quitté ça. Mais premières affaires, je vais vous expliquer une affaire. Quand vous venez, moi, je vais vous dire baisse TVA. Hein? Ouais. Baisse TVA, c'est une mesure qui soulage les peuples et en même temps, il stimule l'économie. Il peut faire toute bonne activité économique augmenter, que ce soit pour une grande compagnie, que ce soit pour un petit entrepreneur, que ce soit pour un monde qui a un chauffeur taxi. Hein, les pour mettre l'essence beaucoup de plus beau manger, les pour faire plus beaucoup de courses, etc. Alors, toute bonne activité économique augmentée, l'économie commence, reprend, ou qu'à employer plus de monde, ou qu'à retenir plus d'emplois, parce qu'on peut payer moins en forme de taxes. Ici, on peut faire ou payer plus en forme de taxes quand ou dans une situation des plus vulnérables et prix peut monter. T'allais là, n'envoie une demande causée. Moi, avec tous les respects, je demande nous une affaire et je demande la population aussi en même temps, à travers vous, comme journaliste. Mais si le gouvernement est venu, sac bidze, lui donner, lui redonner, lui continuer de donner, lui promettre pour donner encore,
mais c'est moi ça coup ou peut plaigner ça coup peut dire misère ça coup peut dire pas besoin de bout même ben un problème ben un problème extraordinaire parce que plus vous donnez plus vous vivez misère plus vous donnez plus vous vivez en casse plus vous donnez vous peut dire lui donne 1000 roupies il comme à la wens il peut donner 2000 roupies child à la wens il peut donner school à la wens il peut donner internet gratis il peut donner serviette hygiénique gratis il peut donner tout ça faire casse jamais assez jamais jamais vous avez casse assez. Ah, ça veut dire qu'on a pas de bout là, on peut plaire trop beaucoup. Ah, bon, pas côté. Non. Nous peut guetter, nous, moi, c'est le terrain, nous trouver. Guetter, ça, moi, j'ai une affaire. La vérité, Maurice, mon al dans mon rose, moi, c'est le jour où j'ai une madame. Il fait que son travail, il est venu. Moi, je me dis un peu, hésiter pour déranger, parce qu'il peut paraître bien fatigué, mais quand tu vois sur la peau, t'as tellement parlé, moi, de Nino 80 et faux, moi, je vais vous aller. Là, il est venu, non, moi, bien content, on vient, moi, je suis content que j'ai une. Il dit, moi, maman malade, il peut expliquer mon problème qui est là, il peut expliquer mon problème, le carers à la Wens. Je ne sais pas, aucune épique, c'est 3500 roupies. Les amants discutent ce qui peut bien installer. Il explique moi comment il coûtait. Il vient à peu près 1800 roupies par mois. Si vous prenez ça, comment appeler, carer qui peut bien payer beaucoup plus que ça. Ouais. Et plus pour couche, peut payer 1800. Plus ça coûte bien amène l'hôpital, bien payer taxi. Ouais. Les amants mais comment moi vous faire? Les amants vous faire des travail. Plus mon besoin de mon maman. Plus c'est dans ce bon enfant. Ouais. Mais explique moi qui problème. À c'est comme vous besoin de mandimoun. Dans tout le social, hein, même middle class, ben, du monde qui supposait classe moyenne, je peux dire, comment on peut gagner beaucoup de problèmes pour mon cas, je ne peux pas. Du monde qui supposait une casse là, je peux plaigner. Parce que du monde vulnérable, pas de l'essai. Mais across the board, ou ouais. Diamant comme ça, qui donne une population, tout gouvernement donné, reste donné, c'est pas du monde reste. Pas besoin de vous. Ou pas qu'on répond à ma question. Comment on peut arrêter ça, déclin de la roupie là? Comment on peut arrêter ça, dépréciation? Mais déclin de la roupie, il peut y avoir un taquet qui vous calme, il peut la lumière, ou dire, comment dire, mais ça l'ensemble, on peut y avoir là, l'éclairage. Il n'est pas comme ça, ça. Vous devez mettre l'autre dans l'économie. Vous avez besoin d'une responsabilité. À la mot là, c'est ça. Vous avez besoin d'une responsabilité dans les façons où vous pouvez gérer les finances de l'État, mais aussi dans la façon où vous pouvez gérer le pays. Vous avez besoin d'un premier ministre, premièrement, qui inspire confiance. Première affaire, c'est trust, c'est confiance. Si vous, premier ministre, papier inspire confiance, comme vous dites, inspire confiance envers le secteur privé, avec tout man economic players. Deuxièmement, confiance avec man étranger qui peut venir investir à Maurice. Troisièmement, confiance avec la population mauricienne. Ou peut-être pas avoir confiance en ce moment? Mais vous n'avez pas parlé de man partout, tout le monde peut dire, vous êtes sans imam, sans éastère. Mais get en termes zénès, qui fait tout zen quitte Maurice Allais, qui a causé la confiance dans le gouvernement, le premier ministre, cela venait assurer, mais donner. Mais get ça, tout zénès là, pas comment dire, je ne pas connaître, je ne peux pas. Mais ici, mais donne tout, pour donne-toi ton casque, pour donne-toi tel casque, pour donne-toi l'autre casque, hein, pour donne-toi 20. Combien il donnait 20 000 quand on gagne 18 ans? Mais moi, comme on a une personne âgée, et mon contact cause beaucoup avec une personne âgée, beaucoup disent à moi, mais vous connaissez sa pension là, nous pas je peux gagner avant, je peux paraître satisfait, votre pension peut augmenter. Ou, vous avez besoin d'une personne âgée qui peut dire comment, qui quand il gagne un casque là, lui peut satisfaire. Moi, je n'ai pas besoin d'une bonne personne âgée qui peut dire, moi, comme ça, mon médicament coûte trop cher, mais mon gain pas vieillir. Non, ça, si je dis à moi, c'est pas assez. Ça qu'ils ont dit à moi, c'est que, mon papa dit à moi, qu'ils ont well off. Je dis à moi, mais je te reconnais qui ça augmente à son pension, là, dans le passé, ils ont pas gagné. C'est tellement simple. Vous connaissez longtemps si vous êtes dans Rome, dans l'Italie, l'époque ban romain. Je t'ai créé une affaire dans l'Italie qui s'appelle le Colosseum. OK? Comment l'économie pas faire bien? Comment les peuples commencent à se péter? Ça l'empereur romain là qui l'y fait, il amène un tas d'animaux, ban lion, ban l'éléphant, ban choses, tout ça là. Il met ban gladiateur, il fait tout le monde vingeté. Après tout le monde, ou ça, il met ban affaires comme les Jeux Olympiques, tout ça là, tu peux faire comme un point de tête, la masse. Ouais. Vous pouvez comprendre. Ici, ce gouvernement-là, il trouvait, il a couillé nous avec 1000, 2000 roupies. Quand il y a envie, il n'a que 7000 roupies ici, 2000 roupies là-bas. 3000 roupies ici, 2000 roupies, 5 côtés là. Tu m'as ma portion vieillesse, tu m'as ma zénesse quand il y a 18 ans, il y a un cadeau de l'anniversaire. Là-bas, quand madame a des enfants, pour gagner un casse. L'autre côté, tout le monde a 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, je vois tout le monde vit de misère.
Ça, personne a dit là, moi, je dis Waster. Est-ce qu'il se tise enfant capable de faire un bout de terrain, monter dans la case? Est-ce qu'il est capable de faire une famille? Est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a un courrier assuré? Est-ce qu'il est capable de gagner un travail sans qu'il ait besoin de taper la porte X, Y, Z d'un système corrompu? Tout ça là, les besoins étaient en termes de gestion des affaires de l'État. On gagne l'affaire. Et pas c'est ça, petit casquine de nous qui roupit la peine en valer. Et t'allais là, moi, montrer où mon cas de nous, 1000 roupies ou une plus misère. Je ne sais pas, on vient de mentionner une affaire bien importante, je tiens à ça comme une question. Une cause prix médicaments. Et là, il n'est pas conscient des personnes âgées. Moi-même, moi, le pharmacien, moi, tout prix, pas une doublée, une triplée de ben médicaments qui nous achetaient. L'opposition, Shakil Mohamed, il pose un PNQ. Xavier Duval, à l'époque, tu poses un PNQ. Je peux proposer l'importation parallèle. La question, c'est comment pour baisser prix médicaments, est-ce qu'il y a l'importation parallèle pour faire prix baisser? Exact. Guetta, on a beaucoup de problèmes dans le pays là. Moi, je veux dire, problème là, là déjà, on a un problème en termes frais. Ça veut dire, nous parlions au début, hein, moi, pas les prendre beaucoup les temps en oise, mais moi, je veux dire, ça. C'est un pays qui importe presque tout. Right? Je ne cause l'industrie pharmaceutique, ou, je ne fais quelque médecine dans Maurice, et dans un panadol qu'a fait dans Maurice. Pas qu'a fait panadol dans Maurice. Pourtant, je me disais, combien il y a investi dans la pharmaceutical industry, bidze après bidze après bidze. Allez, right, nous prenons les affaires. Pour amener n'importe qui produit, Maurice, ou bien, paye container, paye fret. Mm-hmm. Mais si fret là, je dis, il paye 2500 containers, il paye 27000 containers. Nécessairement, prix là pour monter. Deuxièmement, roupie là. Je me disais, ça a cassé. Moi, je ne connais pas mon cas, pas salaud l'écran, mais je me disais, depuis 2020, je finis déjà dans mon page Facebook et je me tu répertoires Yellow, l'Express, tout ça. Moi, tu mets un message pour voir Vinzangdan, pour dire on va droit dans le mur. Moi, je dis la roupie va déprécier. Moi, je dis quand tu prends réserve dans sa manière-là, dans la façon qu'il te peut faire, mais il peut graine roupie et il pouvait tout à fait me plisser. Mais tu as la COVID, tu as la COVID. Mais tu as la COVID. Oui, COVID là, vous connaissez qu'il y a un barana. Laisse-moi dire aujourd'hui, on trouve avec Bansif, qui même quand l'époque 2020, 2021, 2022, 2023, combien de taxes tu peux prendre, et je dis qui peut faire. Ça veut dire, même quand tu es dans COVID, là, tu peux faire où PCR. Ouais. Tu ne peux pas sous la joue. Domaine, c'est quoi le mot traduire? Barana veut dire prétexte. Barana veut dire prétexte. Et là, je ne veux pas comprendre. Oui, sorry, excuse-moi. Okay, mais un dialogue créole, ça. Je ouais. Dire, non, je ne veux pas comprendre. Barana, au moins. Là. Ouais. Ouais, mais en deux mots, ce qui m'opère au diaou, c'est qu'il se met dans toute qualité la fumée dans les yeux. Ça, mon quoi, tout le monde comprend. Le prix médicament, Roger Barana, comment, qui peut faire? Qui besoin faire? Mais ce qui vous besoin faire, c'est définitivement Raymond Valère au roupie, sa première, parce que plus le roupie l'a déprécié, plus ça fait là beaucoup de cher. Ça, numéro un. Numéro D, c'est qu'il vous besoin énorme un deal qu'il vous peut faire avec un pays ami pour qu'il y ait certains médicaments pour diabète, pour cholestérol, pour tension. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens souffert, mais vous besoin capable, au niveau diplomatie, deal avec un pays ami, qu'on est capable de gagner ce médicament. Là, le prix plus beau. Ça, c'est un médicament de base qui est diabétique, patient maladie cardiovasculaire sur la cervelle, est-ce que l'État est capable de, un genre de mettre une subvention pour faire briller la baisser ou bien est-ce que l'État lui-même est capable d'imposer certains médicaments? Franchement, moi, je veux dire, franchement, mon cause, franchement, ou d'un système mafieux. Vous pouvez comprendre. Il y a trop beaucoup de potiers à la porte, trop beaucoup de monde peut faire casse, ben, abnormal gains, abnormal profits, que la population les peut souffrir. À cause de ça, prix la peut monter. Ou chance premier ministre, ou mettre aussi, ben, premier ministre Maurice, mettre un lot généralisé pour. Parce qu'il qui fait, parce que tout ça, il y a un numéro 8, une nouvelle grand compagnie qui peut, aujourd'hui, amener une bonne affaire. Ou pas de l'eau, mais nous, Piravia qui n'arrivait. Ou pas de l'eau, tout ça, man, les autres produits là, mais qui peut arriver ça? C'est protection des petits. Donc, au PDF, vous êtes démocratise l'importation des médicaments. Au PDF, vous arrêtez l'industrie coquin d'une certaine manière. Non, bon, l'industrie coquin, ça c'est bien une allégation. Vous êtes capable de prouver qu'il peut coquin. Je ne peux pas faire allégation. Ma question, c'était est-ce que l'État est capable de donner un genre de subvention le certains médicaments, comme ça, prix là, baissé? Absolument. On va lui faire l'eau d'iri la farine. Et non, ça donne une bonne réforme, m'explique. Ouais. Première affaire, c'est qu'il vous a donné ces médicaments. Arrête de casse dans la médicament de sa bannière là. Donne-lui ce medical voucher qui est bizarre. Vous pouvez comprendre moi. Si vous donne-lui ce voucher pour y acheter ce médicament, et ça aussi, vous pouvez faire-lui d'une façon que des gens qui méritent qu'ils puissent gagner. Quand vous pouvez, vous pouvez donner 1000 roupies, 2000 roupies dans la médicament, alors il y a 250 personnes âgées dans Maurice. OK? 250 000 personnes âgées. Hein?
ou dire moi ou peut donner 2000 roupies ou peut donner tant casse. Mais lui il peut dire comment moi peut bizarre casse pour moi l'aster médecine. Aster médecine là pas 2000 roupies, il peut monter pas 4000 roupies. Mais aster pas tout du monde qui peut bizarre médecine 4000 roupies là ou d'accord moi. Ouais. Et non du monde qui dans les besoins, lui il a telle maladie. L'autre là pas gain sa maladie là, il est correct. Mais lui allemand où tu besoin de donner un voucher de 1000 roupies, c'est là où tu as donné un voucher de 4000 roupies. Mais donc, là, bizarre, répéter tout ça, même pas. Mais c'est un qui appelle mettre l'autre dans des autres. C'est un qui appelle get system, là, comment peut fonctionner. Get, ou pas qu'on est venu avec Z-Cas, après, diamant comme ça, qui est dans l'inflation. Mais normal, quand vous êtes casse dans l'inflation, get food vouchers. À cause de ça, mon Dieu, besoin donne food vouchers. Alors, get dans l'Australie. Dans l'Australie, pas de Z-Cas comme ça. Covid, là, tu es dans ça partout dans le monde. Hein? Ouais. Mais pas tout gouvernement, il fait irresponsabilité. Comment ça, gouvernement? Donc, donne-moi du monde qui vraiment mérité. Donne-lui, on a need basis, la méritocratie, d'une certaine façon. Et make sure que personne ne va souffrir. Ou peut-être qu'on va voir. Alors, déjà, dis-moi, moi, Rossi Baden, moi, j'ai 70 ans. Alors, déjà, moi, j'ai tu dis pas, tu n'as pas gagné des affaires là, mais alors, déjà, moi, j'ai un problème, j'ai un cholestérol, j'ai un tension, j'ai un pas des affaires. Right? Mais, moi, j'ai un certain niveau de revenu. OK? Ouais. Parce que, l'autre, j'ai un peu de madame qui m'a dit, l'autre jour, là, Lili, j'ai besoin de son maman vieille, qui a raison à l'avance, l'autre jour, là. Est-ce que vous dites, ou donne moi 2000 roupies, ou donne ici 2000 roupies? Les pareils, là. Mais, déjà, vous avez fait targeting. Mais non, ou besoin d'identifier, premièrement, ou pas besoin d'exit casque, ou bien, ou besoin d'un médecine voucher, et médecine voucher là, peut-être qu'il y besoin beaucoup plus que ce qu'il y était, ouais. En termes de ça, augmentation pour son vieillesse, mais le roupie là, il n'y a pas pour suffire, pour ça, Jimoun là, ce need, ce besoin, et il n'y a pas encore pas ce misère. Mais par contre, vous voyez, Jimoun, l'autre côté qui lit, il n'y a pas beaucoup comme ça. Donc, mais pas si ça, donc, Nine, and Jimoun, il peut gagner une pension 15 000 roupies. Mais seulement si son camarade lui paye une pension 15 000, mais seulement il y a un problème diabète, cholestérol, peut-être besoin de donner 17 000, 18 000. Mais exactement. Et ça, si lui paye besoin de Kerez Allowance, ouais. Peut-être que Kerez Allowance là, ça a augmenté. Ça, c'est une bonne réforme qui réforme partie pour amener. Gagne-moi, vous dire, Wens à faire. Mondiaou est dans 80 réformes, puis c'est encore 20. Right? Et mon annoncé, nous pouvons baisser TVA pour 3%. Mais mon cas finit déjà où le radio là, qui nous prenons, mon papa, de nous lire. En forme complète, mais moi, j'ai dit, nous prenons une réforme que nous augmentons, qui est Reza Lawens, que nous avons augmenté. Roshi Badin, il y a une frustration parmi la classe moyenne, parce que le gouvernement augmente le revenu minimum garanti, il fait aller 20 000 roupies, depuis que surtout ben, au bas de l'échelle, ben vieille moun finit augmentation pension, bon, malgré que vous pouvez dire que quand vous parlez de pharmacie, tout ça, là, ça ne pas vaut grand-chose. Mais entre ou dans la classe moyenne. Exact. Et là, il y a une frustration. Et le problème, c'est que, par exemple, un zen qui fait une BSC, les parents travaillent, ce salaire peut-être 1000, 2000 roupies plus qu'un djimoun qui peut faire un travail. Moi, pas pour citer un exemple, pour pas diminuer personne, mais peut-être qu'il peut gagner presque le même salaire qu'un djimoun qui n'est pas dans l'université, qui peut faire, par exemple, un general worker. Ou un mismatch le salaire. Un mismatch le salaire. Là, le gouvernement peut essayer de réaligner ça. Et vous pouvez dire qu'il probablement avant l'élection pour faire ça. Mais il n'est pas un exercice... Il va donner gaz en cours, là. Non, mais il n'est pas un exercice facile, surtout pour le secteur privé. Et oui. Comment vous faire ça, d'après vous? Ça réalignement de salaire, là. Mais c'est un mot, vous connaissez. Tout ce qu'ils peuvent faire, là, c'est à moitié réfléchi. Et ça, l'autre moitié qu'ils peuvent réfléchir, là aussi, c'est si en termes comment ils peuvent gagner un vote. Mais je ne peux pas calculer qui dit tout, je peux faire nos pays. Je ne peux pas calculer comment je peux débalancer le système dans nos pays. Et au fait, c'est Ban Mézia qui peut faire au petit bonheur, d'une certaine manière, juste pour qu'il gagne vote et gagne. Par exemple, en 2019, tu viens annoncer pour son vieillesse dans son MVV Canada. Et de tout côté, qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être ça, le personnage là, peut-être, oh, il y a 15 000 roupies. Oui, oh, il y a 15 000 roupies. Mais est-ce qu'il y a des enfants pour gagner un travail? Est-ce qu'il peut fonder une famille, il peut acheter un bout de terrain, il peut dans l'avenir? Est-ce que si tous les parents ont envie qu'ils aient des enfants qui te payent là, allez? Mais ok, là, il n'y a pas de problème. Continuez avec Banjavon, comment pas Vinjagnat ou bien Vinjadram Goulam. Il n'y a aucun problème. Parce que le système, infini, arrive à terme. Vous connaissez un système, il arrive dans ce bout. Aujourd'hui, vous avez un game changer, vous avez sans système là. Quand nous avons sans système là, qui nous peut dire comment là nous fait cause de la médecine voucher? Mais nous avons un petit débat entre moi et vous. On trouve la philosophie comment s'en est. Pas n'est-ce qu'il y a une casse, n'est-ce qu'il y a une pension visée pour gagner un vote. Get la solution. Comment on fait bien du monde là bien? Comment on fait ce personnage là vraiment gagner, comment dire, soulagement d'une certaine façon et plus les vivre mieux? Et de l'autre côté, ou pas graine l'économie là aussi? Comment on fait ces enfants là gagner, quand nous disons mettre job center, quand nous disons comment donner la case sans prendre loan, sans l'intérêt, sans dépôt?
etc., avec un système que de rendre le housing ladder, build up, retransfer, mais zen n'a gagné la case de rendre le housing ladder. Quand nous disons à un entrepreneur, vous connaissez qui fait entrepreneur par moi, c'est dans Maurice Nawaz, c'est parce que ça coûte aux entrepreneurs, c'est cause access to finance, donne casse. DBM vous donne un soft loan, là je dis, vous avez le right of ban loan, DBM, tout ça. Bien, bon, pas de problème. Mais pas ça qui vous fait un entrepreneur bien successful dans Maurice. Ou bien support. Nous pouvons mettre un yes team, un youth entrepreneur support team. Moi, je explique dans l'autre émission qui veut dire, mais tout ça là, bizarre, fait pour l'économie, bouger, papa. Là où vous pouvez aller, tout ça, man, c'est ce qui nous dit dans touristes là, créer Festival City, Entertainment City, réamener Festival International de la Mer, commencer dans longtemps. Tout ça, man, ça fait là pour faire touristes bouger, pour faire casse rentrer. Là où dans un scénario, quand vous mettez l'autre dans des autres gaspillages, ou capable de remettre l'autre, comment nous peut dire, l'autre, comment on peut dépenser, casse aussi, quand on peut donner du bon, vous allez donner pour qui, l'est dans une situation vraiment meilleure et l'y trouve. En, comment nous dire, la lumière au bout de tunnel, du tunnel. Et en plus, vous avez fait l'économie grandir, mais pour ça, vous avez fait où Zenès rester, ou pas qu'à faire ça avec tout Zenès qui parle tombe dans Saint-Étienne. Comment on fait ça? Très, très important tout ce qui nous cause, et l'économie très importante. C'est pour ça que nous consacrons la majeure partie de l'émission à ça. Mais il nous reste quand même 15 minutes, nous avons abordé un petit peu situation politique. Avant qu'il nous cause Reform Party, ou qu'il au terrain, ou peut faire congrès, réunion, pot-à-pot tous les jours, ou puis à l'entier. Demain, laisse-moi servir l'opportunité que vous devez. Demain, nous avons un grand congrès, salle des fêtes, Belle Rose, à Quatre-Bonnes. Moi, j'invite tout le monde à venir là-bas pour une grande annonce qu'il nous faut faire là-bas aussi. Ouais. Et c'est à partir de 4h30, tantôt, dans l'après-midi. Après l'émission, vous passez au département marketing, vous faites une publicité là, vous avez réglé une note là-bas. Tout ça travaille, mais c'est mon faire cadeau pour vous, là, dans base. Non, on ne peut pas dire. Comment on trouve rapport des forces au terrain, surtout entre MSM et Parti Travail MMM? Ou bien demandez-moi si MSM et Parti Travail. Oui, rapport des forces au terrain. Je vous dis, franc, je n'ai pas capable de nous une analyse précise à ce moment. Je vais dire que beaucoup de places que nous allons aller, par exemple, je fais une réunion dans Vieux-Grand-Port, je fais une réunion dans Dagotier, la semaine dernière dans l'Escalier, et demain à Quatre-Bonnes. Partout là-bas, moi, je vais poser une question. Quand réunion prêt pour finir, moi dans vidéo, tu vois, mon cas vous et dans photo tout. Moi dire combien de monde dit qu'il Zagland faut pas rester Zagland bizarre aller lève la main. Alors tout du monde lève la main. Mais tout de suite après, moi pose une autre question. Combien de monde qui dit comment qu'il faut pas n'avoir un goulam revenir lève la main. Mais ou tout du monde lève la main. Mais quand moi qu'est-ce que moi dire mais du monde ne comprend pas ni navin ni bravin là. Moi mon pensé en termes. Non mais c'est vous même partisan. Non mais justement, bah du monde qui vide pour nous, qui écoute nous. La cause c'est de lever la main. L'itinant une affinité avec nous, ou bien il a envie de nous 80 réformes, ça que ça, il vient nous. Mais quand nous faisons pote à pote, nous demander, moi vous dis, franchement, les affaires gouvernement, bizarre aller là, ça tout le monde dit. Tout le monde dit. Mais seulement, il y a du monde, ou Getli, ou Djali, comment, ben, ou d'accord pour remettre dans Minamgoula. L'Igetou, comment dire, avec une petite réflexion, après, il dit, non, pas pourquoi pas. Mais ça, c'est le feeling qui m'a gagné au terrain. Il m'a dit, nous, j'ai besoin de militants, beaucoup de familles militants. Mais moi, je me disais, pour Jagnat aller, il a fait l'alliance avec David. Ouais. Que ça qui il arrive un impératif dans le pays qui pour fou Jagnat de haut, bizarre faire l'alliance avec Ram Goulam. Mais là la question qui posait, moi si moi écoute du monde là, moi me dis mais là qui vous parle faire ou pas le soir il faut l'obal qui ça là-bas là. Right? Et tout de suite militant là tiqué, il dit comment il dit non, ça on va d'accord. Mais vous trouvez encore et non jusqu'à aller au terrain là, une espèce de indécision du fait que il y a beaucoup de monde qui parlait qui gouvernement là resté. Et après, mon gouvernement là, il fait 10 ans là. Troisième mandat, Mauricien, bien difficile bout de nous. Bien difficile. Un peu reluctant, comment dire. Quoi qu'il parvienne, Jacques, n'a pas fait 10 ans premier ministre. Non, mais ça pas. Vous n'avez pas compris un discernement là. Vous avez dit 2017 jusqu'à 2024, pas fait 10 ans, fait 8 ans, c'est pas comme il fait. Il vous dit, non, mais il arrive là pour aller. Vous avez dit, là, sur la tête, comme ça.
Mais de l'autre côté, quand vous pouvez dire comment pour remettre Naviram Goulam, et pas juste Naviram Goulam, hein, peut-être qu'il est un peu ça, Lilo Paul Béranger aussi, Lilo Orvin, Lilo Rajes, Lilo tout le monde, parce que tout ça, tout le monde là, il arrive à une certaine maturité. Allons dire, moi, je vais bien le mot, parce que vous dites, c'est pas mon pédia. Vous savez, grand-père, dit nos autres aujourd'hui. Je ne dépasse la maturité. Vous mettez de l'eau dans le divin, vous trouvez. Non, mais qui m'a pour faire? On a s'agir aussi, madame. Qui m'a pour faire? Moi aussi. Une bonne scie, ça, une bonne scie. Moi aussi, c'est faux, non? Ouais. On travaille là où même, vous trouvez. C'est pas le plus. Allez, moi, je dirais. Allons dire, qui, où est la différente étape? Que tu arrives jusqu'à la maturité, mais quand tu dépasses la maturité, là, là, il vient un autre scénario. Mais, je vous dis, franchement, Maurice Bizet, sincèrement, moi, qu'est-ce que je respecte sur Mandy Bouna? Je vous dis, franc. Nous, quand politiciens, nous pouvons causer, je vous dis, je ne suis pas tout sali, je ne suis pas un gousseau, je ne suis pas gaieté. Mais, un dans l'autre, tout politicien, il a fait beaucoup, à le dire, des mal pour le pays. Mais même si on a fait des mal, là, quelque part, il nous a fait quelques bien aussi. Ouais. Nous, nous a d'accord, là. Chacun finit sa contribution. Chacun finit une contribution. OK? Rochibadin. Attends, je finis ça parce que je me suis tellement gentil aujourd'hui. Laisse-moi continuer. Je me dis, je me dis, OK, mon papa vient blâme personne, mon papa joue blame game. Mon papa dit, avec mon liqueur, sincèrement, système-là, bizarre sensé. Il est obligé sensé, sa fois-là. Ce n'est pas Mauricien pour souffrir. Ou proposant numéro 20? Oui, je vous propose dans le numéro 20, c'est la circonscription que moi habitais. Ouais. Et avec Modé Colistier, c'est Géraldine Geoffroy, ancienne rédactrice en chef de Radio One, ouais. Et Riyad Soubrati, un garçon extrêmement intelligent qui ne fait pilote, etc. Pas numéro... qu'il travaille à Mauritius, mais aussi un entrepreneur. Numéro 20, il reste dans le numéro 20 même. Numéro 20, comment on connaît un bastion MMM. Absolument. Avec un bulldozer qui appelle Rajesh Bhagwan. Je respecte Rajesh Bhagwan parce qu'il m'a dit, au franc, comme on dit dans l'entente de l'espoir, nous bien causé beaucoup de fois. Et mon cas, j'ai eu une relation avec Rajesh Bhagwan aujourd'hui, il est très bon. Une bonne relation. Right? Je respecte lui. Okay. Mais moi, j'ai envie de battre lui dans l'élection, là, oui. OK. Mais Reform Party, est-ce qu'il. Chaque fois, je me pose cette question-là, et là, il arrive l'air pour prendre certaines décisions, parce que l'élection derrière la porte. Est-ce qu'il Reform Party pour persister dans sa logique seul contre tous? Parce que vous êtes réaliste, Rochibadin. Ou dire moi, du moins, j'ai envie de Jagnat aller, mais je peux ticker pour mettre Amoulam. Mais moi aussi, besoin de beaucoup du monde. Je suis encore plus ticker pour mettre Rochibadin comme Premier ministre. Nous, dernière fois, nous avons un échange très animé. Je n'ai pas envie de revenir sur certaines affaires. Mais ma question, c'est est-ce qu'il Reform Party, sérieusement, allons être réalistes, est-ce qu'il Reform Party capable de gagner l'élection? Ma question, c'est est-ce qu'il peut envisager une ouverture? Moi, c'est un mot un peu poli, pas l'Alliance, si pas Moria, si pas rien, une ouverture vis-à-vis ben, les autres partis, que ce soit parlementaire ou extra-parlementaire. Oui, la réponse à ça, si vous demandez 30 secondes, je m'explique où vite. Premièrement, quand vous avez un bon ticket pour mettre aussi Baden, Premier ministre, première affaire, je vous ai dit aussi qu'ils ne m'ont pas assoiffé du tout pour une Premier ministre. Hein. Moi, je pense que si je suis Premier ministre, c'est dans beaucoup de bonnes affaires qui m'ont fait pour le pays et je suis vraiment mettre un lot dans des autres là et donner une bonne opportunité sans un système comme on peut. Mais mon avis, comment il était dans l'Oise, je dis que quand mon garçon, Richard, il finit faire son étude de droit, précisément, là, il devient avocat en septembre. Je suis final faire ce bon exemple, moi, non, je fais une bonne nouvelle, là, cette semaine-là, nous avons un résultat. L'Isiline passe au bon examen et l'Inga Outstanding. Félicitations. Dans ce l'université. Félicitations de ma part. De toute façon, on pensait que l'émission. Quand il y a un collègue qui m'a dit ça publiquement là, mais moi aussi, j'ai envie de dire comme ça, que tout parent mauricien, j'ai envie de faire quelque chose que tous les enfants réussissent. Pour moi, ça, mon achievement dans la vie. Vin Premier ministre, ce n'est pas un grand achievement, ça. Pour moi, sincèrement. Ça, achievement là, c'est en termes de garçon, mon petit fille, mon encore une troisième petit fille. Qui peut faire l'étude secondaire. Mais juste pour me dire où, qui, pour moi, mettre bien dans la tête, qui servir le pays. Vous voyez, moi, pas besoin de casse, moi, pas besoin de rien. Tout ça, là, nous, tout ça là, bien, bon, Rochibadin. Nous, causer qui bisez à cause. Non, moi, qui, Reform Party, qui pour faire. Moi, venir là, là, avant, moi, dire où, pour moi, c'était moi, dire où, pour Reform Party. Nous, tout dans Reform Party, comme ça. Chacun capable de faire ce la vie, mais bien, pour lui-même, nous, pas besoin de bout. Nous n'avons pas besoin d'attraper les pieds X, Y, Z. Chacun
Kamini Sourat, mais c'est il y en a un fou de laveuse, il y en a un bon d'affaire, Hans Leperamali, il y en a un bilan dit, tout ça, man zen qui peut travailler là, Vishal Sobaran, Yannis Perjag. Yannis Perjag, c'est un exemple extraordinaire. C'est un garçon qui fait un degré dans informatique. Après, il est dans l'immobilier, il fait des grands bâtiments. Un dans Paris-Pierre Laval, un dans Vendée-Metz, il finit Vendée. Après, il fait l'LB honneuse. Là, il peut faire l'examen bord. Et puis, il peut mort, c'est dans le numéro 6 tous les jours. Oui, il y a tellement de cas de jeunes. Il y a Shad Ramjan, incroyable. À l'âge de 26 ans, il peut employer mon corps 37-38 d'Imoun. Il fait ce firma ICT, BPO. Charia Edou, même affaire. Riyad Zoubrati, Mounzeou. Combien de monde Michel Daltaman qui dans numéro 14, il est dans ce gym pour lui et il connaît tellement de monde. Mais ça, l'équipe qui nous est là, c'est pas une équipe roulée à bout, c'est pas une équipe chatoire. C'est une équipe qui a envie de faire quelque chose pour le pays. Moi, je suis dans le gros de 70 monde comme ça. Et c'est ça, 70 monde là qui dit, mais qui est Ramdi, les autres, qui peut faire sa congrès là dans 4 bornes. Mais nous, bizarre, donne sa manzène là, je pense, à cause de ça, qui, moi, je dis, comment, si vous allez faire l'alliance. Et que, bon, Jack Dan oublié même, mais alors j'ai fait l'alliance avec Travaïs et quand même là. Mais Ram Goulam, Béran, c'est pas pour l'espoir fonctionner. Pas pour l'esprit Reform Party, ce ban du monde fonctionner de sa manière. Oublié nom ticket. Nom ticket, c'est système d'affaires, ça, right? Mais fonctionnement là même. Ou pas accepter Ban Zeneslavine avec nouvelle idée. Qu'est-ce que ça, mon assiste dans l'espoir, mon road montre. Enfin, mon pas envie de dire, Ban Zafé qui n'a pas besoin de dire. Mais WhatsApp, je n'ai pas fait qu'on servit. WhatsApp, ce papier qu'on servit pour avoir un document, ou bien dire, moi, les mondes qui me boussent vers la technologie, tu vois, moi, pas le sac ou expliquer, nous qu'à faire, nous qu'à faire. Chat du bêtise, ce papier qu'on prend qui était, quand nous pouvons en termes qui dit, mais qu'à peine dans l'école, dans Maurice, tout ça fait venir online. Mais les mondes peuvent évoluer, dit. Mais comment, moi, si c'est que ben dirigeant qui papier qu'on prend, non, y'a pas le guet de vision pour le pays. Moi, ça, si c'est que ça, ben, c'est la compétence, c'est eux. Et l'avenir, c'est eux. Mais qui restait? Non, là, nous reste un scénario. Extra-parlementaire. Extra-parlementaire, mais extra-parlementaire aussi, et non pas de limitation, parce que tout primaire donnance, même là, ça qu'il y a un égo, là. Vous pouvez comprendre? Mais moi, je vous dis, franchement. Moi, je suis pas d'inciète. Absolument, ouais. Absolument. Moi, assumé. Moi, assumé, oui. Moi, d'accord. Vous connaissez, Nawaz, je fais beaucoup, beaucoup de sacrifices, je fais beaucoup, beaucoup d'efforts. Et une fois, quand un dimoun pour venir, je vais faire un siffle, je vais amener mon travail avec vous aujourd'hui. Combien de députés l'opposition peut travailler dans le Parlement? Tout ça, dans l'appendix, là, l'île au site l'Assemblée. Ou quand mon équipe n'a pas fait mal, moi, je ne suis pas élu, je ne suis pas dans le Parlement, mais si je peux faire travail là, je peux venir, je peux expliquer Radio Plus, l'eau plateau, on demande l'occasion. Pareil que moi, comment si tu as un le jour, ouais. Ici, pas dans le Parlement. Mais moi, je dis, ben, dimoun dans le Parlement, là, qui peut faire? Qui fait que ce papier capable d'expliquer expliquer les peuples qui ou taxe pour doubler dans 3 ans? Qui fait papier qui explique les peuples qui CSZ qui ne prend ou 13 milliards, c'est même 26 milliards? Qui fait papier qui explique les peuples qui dette publique pour monter pour 100 milliards dans l'espace 3 ans? Quand il dit 460 milliards depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, dans 3 ans, il bouvine 561 milliards. Il peut nous faire pourtant ouais. Pour la population. Mais c'est parce qu'il faut partir. Mais c'est un bon revenu, il faut partir. Tu es d'accord avec Valaiden, tout ça, avec l'Union Maurice. Allez, ouvrez au d'amènement la direction là. Mon papier a envie de cause des affaires qui n'ont pas encore abouti ou pas encore concrétisé. Mais ouais. C'est vrai que moi, avec mon camarade Rama Valaiden, nous causons régulièrement. Ok. Nous causons régulièrement et mon besoin de dire comment. Au fil des mois, mon grand camarade avec José Moa aussi et mon cousin Oli. Okay? Mais là, il y a un problème. Non, oui, il y a un problème à Rochebadin. Il y a un problème. Problème là, appelle Dan de Bouda. Ah bon? Oui, problème là, appelle Dan de Bouda parce que nous pensons au niveau Reform Party que si nous prenons Dan de Bouda ensemble et nous posons les divans pour partage Prime Ministership, il est bien difficile pour nous convaincre la population mauricienne pour voter. Mais est-ce que Rama Valaiden pour sacrifier Dan de Bouda? Ben ça, vous êtes demandé Rama Valaiden. Qui je peux décider au niveau de l'Union? Moi, je n'ai pas envie à le dire sacrifier Nan de Bouddha ou quoi que ce soit. Kourbanid finit, il a dit ça. Ouais, non, hein? C'est une autre affaire. Non, Kourbanid finit, vous pouvez dire où elle fait Kourbanid là-bas. Moi, c'est qui m'a fait dire. Attention, vous connaissez Ramoulam, tu causes dans plein vert, tu as des affaires catholiques, tandis qu'il y a un autre problème. Non, mais il est mal causé, mais on est bien causé. Mais bottom line, c'est qui m'a fait dire où là, c'est qui. Je peux dire non, il est contre Nan de. Ouais. Right? Au fait, moi, je pensais qu'il y en a deux, il y en a un valet à ajouter dans n'importe qui contexte. Peut-être, dis-moi, pas l'Exavier, dis-moi, pour retourner Jack Nant, peut-être, hein? C'est qui m'a fait en dé. Nan de Bouda pour retourner Jack Nant? Probablement, parce que Dival Perrault prend ce tout à amener Jack Nant. Ok. PMSD Perrault prend ce tout pour amener Jack Nant.
PMSD dans numéro 20, qui te les poignets et morcer avec des gens qui sont dans le Reform Party. Et puis, tout le monde qui m'a donné la liste pour faire du bout de route de la police, pour faire du bout de route de travail, parce qu'ils nous verront exactement bientôt. Là. Ça, c'est qu'ils ont besoin. Moi, quand même, 20 témoins du vent, vous montrer. Où. Bon, bon, vous avez une version, le poignet, là, ou bien. Lilo, tu peux faire, là, tu allais au téléphone, ou du mané, mais moi, quand montrer où tu peux donner carte cinéma, ça m'a montré, hein, dans la conférence de presse. Et après, là, moi, quand même, du monde qui ont besoin, si vous avez un enfant, environ de God, tu là, faire connaître. Comment dire PMSD qui doit gouverner là? Manière qu'ils ont pu faire le terrain là. Et ici, quand vous êtes en dirigeant, vous avez dit, non, on ne peut pas le faire. L'alliance avec Belcou, avec Bruno Lorette. Mais là, vous trouvez l'Express qui annonce ça, et mon père trouve un protagoniste, une démenti. Apparemment, Xavier Duval, nous avons Patrick Belcou et Bruno Lorette également. Ah, c'est qui me comprend, oui, je ne joigne. Et enfin, c'est qui me comprend. Nous n'avons pas une confirmation que même protagoniste, mais on trouve ça l'Express. Oui, c'est qui me comprend, oui. L'Express, il dit ça. Mais c'est qui me aussi comprend. Et je cas dit, combien se tue l'avenir pour montrer nous. Et je vais dire ça au plateau aujourd'hui. Dival, Pereini, Dimouno, Touli, pour amener au diagnostic. Y compris Nando Boda. Ça, vous avez dit Nando Boda. Non, mais vous faites que j'ai ça là. Je ne pas connaître qui est pour faire. Ouais. Je ne pas connaître. Je connais, je vais dire. Dival, Pereini, Dimouno, Touli, pour aller au diagnostic. Ça me garantit où. Donc, au maintenant. Si ça n'a pas allé, que ça n'a pas. Je ne pas quoi Bruno Loretou, je n'ai pas accepté faire ça. Ouais. Mais, mon pédia ou, Dival, mon redia, et réunir du monde autour lui pour prendre PMSD, il n'y a pas tout seul. S'il y a tout seul, il peut perdre qui commence à dire tout le compte, il est bien encollé, etc. Il perd déjà une partie pas trop faux à ce mais il perd encore plus. Mais là, il peut perdre réunir du monde autour lui pour y aller finir avec Diagnat. L'avenir nous le dira. Vous pensez Bruno Loret parler avec Pravin Diagnat? J'espère que non. J'espère que non, mais Dival libéraux de faire ça, oui. Car il n'y a pas de dire ça, Bruno Lorette, mais libéraux de faire ça, ça m'a garanti aux libéraux de faire ça, oui. Mais Rochibadin. Il parle au Diagnat. Oui. Dival parle au Diagnat. Oui, Dival parle au Diagnat. Ce n'est pas la première fois qu'il a l'alliance dans ce pays-là. Si Dival parle au Diagnat, il peut dire où il a un droit dans le passé, ça a une fin. Ah oui, il a un droit. Oui, il a un droit. C'est une démocratie. Mais c'est bon, lui aussi, il a envie d'expliquer à la population comment 4 ans, il pose PNQ. Comment 4 ans, il y a le cause de Molnupiravir, il y a le pose Diagat Pal question, il y a le pose Manis Gobin question, il y a le pose Pravin Diagnat question, il y a le cause tout ce qu'il y a une cause là. Et après, on dit, il y a le Moyo Bougla. Mais qui dit mon bisa fait sa qualité politique là d'après où? Sa nouveau l'île Maurice Divan là qui a accepté sa man mal propre comme ça là? Ça qui m'a dit où là? Dimoun Biza connaît quand ce Dimoun Morse le terrain dans numéro 20 là-bas. Dimoun Biza pose question PMSD, est-ce qu'il vous parle au Diagnat? Oui ou non? Ok, très bien, Rochibadin. On arrive à 19h. Merci au fin d'accepter. Je te promets tout qui m'a fait venir, m'a pas expliqué, tout ce qu'il m'a pas expliqué. Je n'ai pas envie d'être animé dans aucune façon. La dernière fois, on a le fait, moi, raconter des affaires. Mais laisse-moi dire où ça. Si nous avons fait l'alliance, c'est peut-être avec extra parlementaire. Et comment vous dire, je cause avec Romain Valaiden, avec José Mouad. Je ne connais pas que ça pour aboutir. Ouais. Mais de toute façon, on réforme partie, nous 60 candidats au terrain. Et nous pouvons travailler avec nous 80 réformes, puis nous présente nous 20 prochaines réformes. Et demain, moi invite tout le monde à 4 bonnes, salle des fêtes, Belle Rose, dans nos congrès à 4h30 l'après-midi. Je souhaite tout, best of luck, j'espère ou Eli, mais si au cas ou pas Eli, ça élection là, est-ce que vous pour quitter politique? Je ne peux pas prendre une décision là, mais c'est moi pas pour. Et non, vous connaissez, ces derniers 5 ans là, je fais tout ce qui m'a tout. En termes vidéo, en termes expliqués, en termes analyse, descendre, joindre du monde, aide du monde au terrain, du monde est dans problème légal, toute qualité Covid, du monde est dans manger, toute qualité affaires, mon idée, jusqu'à l'air mon COVID. Après l'année dernière, mon père dit mon papa, ça, il change beaucoup d'affaires dans mon avis. Il change beaucoup d'affaires dans mon avis, mon besoin de vous. Et mon pensée, cette fois-là, si Dimoun n'a pas voté, ben, il est là, mon bousin, c'est Zegete qui a fait Dimoun. Merci beaucoup, Rochibadin. Merci. Merci à tous les auditeurs et internautes qui finissent suivre l'émission. Bonsoir, bon week-end et bonne fête de la musique. Au cœur de l'info.